Bonsoir à tous, les notaires pour les 4 jours de logement, avec deux membres de la chambre interdépartementale des notaires de la Guyane et de la Martinique et Maître Tripet qui est délégué à la communication. Donc nous sommes intervenus, comme vous avez dû le voir, lundi, nous étions sur Martinique Première, à votre écoute, avec l'émission de Federica et bien sûr au téléphone pour répondre à vos appels sur toutes vos questions sur le logement. Mardi, nous étions l'après-midi à Batelière où nous avons reçu en direct les différentes questions qui nous ont été posées. Donc vous êtes venus nous voir directement à Batelière. Mercredi, on a fait une petite pause, c'était le jour des enfants. Et jeudi, on a repris avec le téléphone à la chambre des notaires où vous aviez plusieurs notaires qui répondaient à vos questions. Ceux qui n'ont pas pu avoir les notaires, on a relevé leur numéro et on les a recontactés pour répondre à leurs différentes questions. Et aujourd'hui, nous avons notre live Facebook où nous attendons vos différentes questions sur le logement, de maintenant jusqu'à 19h30. Nous sommes à votre écoute. Voilà, donc ces 4 jours du logement, comme vous l'a dit Maître Ntok, portent sur des questions relatives au logement. Des questions sur, par exemple, votre premier achat immobilier, vous posez toujours des questions quand c'est le premier achat immobilier. La transmission de votre bien immobilier, les différents diagnostics techniques qui peuvent être utiles lors d'une vente. Les frais de notaire, toujours une question qui revient régulièrement, de quoi sont composés les frais de notaire. Donc, je propose qu'on commence avec la première question. Quels sont les diagnostics obligatoires lors de la vente d'un bien immobilier ? Quel bien ? Parce que tout dépend en fait du bien immobilier que vous vendez. Tout dépend si c'est un lot de copropriété que vous vendez ou si vous vendez une maison. Si la maison, elle a plus de 15 ans, elle a moins de 15 ans. Donc, je vais vous donner tous les diagnostics obligatoires. Donc, vous avez la loi CARES, c'est le diagnostic qui indique la superficie privative de la maison. Vous avez le diagnostic thermite. Vérifier s'il y a ou pas des termites dans la maison. Le diagnostic amiante, est-ce qu'il y a ou pas de l'amiante dans le bien. Si votre bien il est raccordé à une fosse septique, vous avez ce fameux diagnostic de fosse. Vous avez aussi le diagnostic électrique pour les biens qui ont plus de 15 ans. Vous avez aussi notre diagnostic de performance énergétique dès que vous avez un climatiseur chez vous. Donc, vous voyez, il y a différents diagnostics obligatoires et le vendeur doit impérativement les fournir. C'est vraiment important qu'il soit à jour et qu'il les donne à son acquéreur. Ça ne veut pas dire qu'il aura bien sûr les travaux à faire. Imaginons que la maison elle est infestée de termites, l'électricité, on n'en parle même pas. La fosse septique, c'est les anciennes fosses de chez nous qui sont du tout aux normes. Mais le vendeur, lui, il vous dit voilà l'état de mon bien, et après c'est une convention. Il n'a pas l'obligation de faire les travaux. Par contre, conventionnellement, vous décidez qui fait quoi. Et bien sûr, vous qui achetez, surtout c'est votre premier logement, j'ai vraiment envie d'avoir cette maison, je prends tout en l'état, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas quand même de faire les devis avant pour savoir combien va vous coûter en fait la rénovation de cette maison. Et lorsqu'il s'agit d'un terrain, et selon que le terrain est situé au lotissement, quel document faut-il fournir à l'acquéreur? C'est vrai, là dans ce cas, il faudra faire peut-être un petit bornage pour pouvoir vérifier les bornes en fait du terrain, pour savoir si vous achetez bien le terrain que vous avez convoité, que vous n'êtes pas en train de prendre, le jardin du voisin. Bon, tout ça, évidemment, se négocie. Le terrain se négocie avant la promesse de vente. On sait que le bornage est obligatoire dès lors que le terrain se trouve dans un lotissement. Mais en dehors d'un lotissement, le bornage n'est pas obligatoire. Donc, pensez à le négocier avant avec votre vendeur, car après signature de la promesse de vente, c'est bien souvent très délicat. Hein, c'est un petit peu tard. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes. Dès lors qu'on achète un terrain à bâtir, l'étude de sol aussi, c'est quelque chose qui se négocie avant avec votre vendeur, qui fait l'étude de sol, qui la paye, sinon elle sera à la charge bien entendu de l'acquéreur. Donc il y a toutes ces petites choses là, et d'autant plus quand c'est un premier achat, si c'est un premier achat, on ne connaît pas tous ces éléments, tout ce qu'il faut pour réaliser la vente d'un bien. Alors tous ces diagnostics là, à quel moment il faut les fournir exactement? Alors il faut les fournir dès la signature de l'avant-contrat, donc que ce soit un compromis de vente ou une promesse de vente. Et ça, on dit bien des fois même, avant même vous engager de signer une offre d'achat, parce que parfois je signe mon offre d'achat, je suis tellement contente que je ne sais même pas que je suis en train de m'engager, moi vendeur, définitivement quand je l'accepte. Donc là, il ne faut pas oublier de noter, oui, on peut s'engager, mais par exemple, c'est sous réserve d'avoir les diagnostics, sous réserve qu'il n'y ait pas de problème, sous réserve que j'ai mon bornage. Il faut vraiment noter dès votre offre d'achat.
l'achat, toutes les conditions dans lesquelles moi je veux te vendre et toi tu vas acheter. Oui, et alors surtout ce qu'il faut dire aussi, c'est que ils sont obligatoires, mais dans un but bien précis, c'est de garantir le vendeur des vices cachés. Ça veut dire que pour un vendeur qui va fournir ses diagnostics qui contiennent des informations précieuses, est-ce que le bien, il y a quelque chose d'abus, ça le garantit. Il ne pourra pas être attaqué par son acquéreur si jamais il a fourni, il lui a fourni tous ses éléments. Donc c'est bien pour ça qu'ont été mis en place tous ces diagnostics techniques. Et qui en supporte le coût de ces diagnostics ? C'est le vendeur. Donc le vendeur doit payer les diagnostics. N'oublions pas les diagnostics à jour. Donc il ne faut pas aller prendre les diagnostics. J'ai acheté il y a 10 ans, je me les récupère tous parce que certains sont peut-être déjà périmés puisqu'il y a de nouvelles aussi normes et de nouvelles obligations légales. Donc le vendeur, lui, doit payer les diagnostics. Et ensuite, c'est entre vendeur et acquéreur qu'on décide qui paye les travaux. On parlait aussi tout à l'heure du diagnostic assainissement pour les maisons. Notamment pour les maisons, surtout pour les maisons qui ont un assainissement individuel, donc une fosse septique. Quelle est l'obligation ? Est-ce qu'il y a une obligation de mise aux normes pour l'acquéreur une fois qu'il a signé l'acte d'acquisition ? Oui, alors il faut savoir qu'une fois que vous avez acheté, que vous avez pris l'engagement de récupérer le bien avec sa fosse septique qui n'est pas aux normes, vous avez un an à compter de votre achat pour pouvoir mettre la fosse aux normes. Alors attention, c'est pas tout de dire oui, j'ai mis la fosse aux normes. Il faut avoir vérifié avec le SPANC, c'est-à-dire l'organisme qui vous aura dit quels sont les problèmes, quelles sont les anomalies. Est-ce que les anomalies ont bien été réparées? Et est-ce que maintenant votre fosse, elle est bien conforme à ce qui a été demandé? Voilà, c'est pour les diagnostics. On va revenir un peu sur l'immobilier après. Mais on a une petite question qui fait plutôt, qui concerne plutôt le droit d'ex-succession. Est-ce qu'on... La question, elle est posée comme ça, mais comment obliger un héritier à faire sa demande de succession? Et surtout, comment obliger un héritier à prendre parti dans une succession, à savoir s'il l'accepte ou s'il y renonce? Alors, pour, je vais répondre à la question que je me pose. Je suis presque posé à moi-même. Donc, effectivement, il y a une possibilité. Il faut effectivement... Alors, pas tout de suite après le décès. Il y a un délai de 4 mois, à ma connaissance. Il faut laisser courir. Et après, vous pouvez effectivement, par le biais d'un huissier de justice, sommer un de vos co-héritiers à prendre parti dans la succession, savoir s'il l'accepte, s'il y renonce. Donc, soit il nous répond expressément qu'il accepte ou qu'il renonce, et si jamais, dans un délai de 3 mois, il n'a pas répondu à cette sommation qui est faite par l'huissier, il est réputé avoir accepté la succession. Donc, c'est la manière, après, de pouvoir, pouvoir faire avancer un dossier de succession, puisqu'on sait effectivement... Quel est l'option qui a été choisi par l'héritier en question. Et puis après, une fois qu'il a accepté la succession, on avance dans le règlement de la succession. Et au moment où on arrive au moment du partage, et là, au moment du partage, donc, comment contraindre si jamais la personne ne vient pas au partage? Vous avez des procédures. Le partage, il est en principe amiable, mais on peut se retrouver effectivement en procédure de partage judiciaire dans l'hypothèse où il y a un différent. Qui vient pas signer, etc. On peut se retrouver dans un partage judiciaire, même si on sait qu'aujourd'hui, en termes de partage, on a d'autres outils, notamment quand une majorité des héritiers sont d'accord. Est-ce que ça, tu peux nous en parler un petit peu? Donc, dans ce cas, en fait, vous avez la loi des chimies qui vous permet, donc, avec la majorité plus 1, de pouvoir donc sommer les autres au partage si jamais ils sont taisants, ils sont bloquants et qu'ils ne veulent pas faire. Juste pour embêter, quoi. C'est une manière de pouvoir, alors qu'avant, c'était obligatoirement la totalité des héritiers, donc l'unanimité qu'il fallait. Donc, simplement par rapport au délai que je disais, il faut savoir que souvent, malheureusement, les décès, chez nous, on n'a pas cette politique d'aller voir le notaire tout de suite. Or, une succession, elle doit être réglée, pas aller voir le notaire dans les 6 mois, elle doit être réglée, c'est-à-dire tous les actes signés dans les 6 mois du décès. Donc, souvent, malheureusement, ce sont des successions qui datent. On n'a pas encore imposé en fait aux uns et aux autres de régler la succession. On ne les a pas sommés, donc on n'est plus dans les délais pour le faire. On essaie quand même à l'amiable, parce qu'avant d'aller en justice, il faut pouvoir prouver que vous avez fait les démarches d'abord à l'amiable. Et puis, il ne faut pas oublier, en termes d'options comme ça, successorales, d'acceptation de renonciation, c'est que passé un certain délai, on est réputé renonçant à la succession. Donc aujourd'hui, on est dans le cadre d'un délai de 10 ans. Avant, c'était 30 ans. Donc 10 ans, ça passe très vite. Donc si pendant 10 ans, vous ne vous êtes pas manifesté
pour accepter expressément ou tacitement même la succession, vous pouvez être déclaré renonçant. Donc vous pouvez avoir la mauvaise surprise d'avoir la succession faite sans vous. De même que aussi, si jamais vous oubliez de façon involontaire vos frères et sœurs naturels, parce que vous savez que papa il a eu d'autres enfants, mais bon... On va être à ça, on va régler ça entre nous. Non, il ne faut pas. Il faut vraiment que tous les enfants du défunt interviennent à la succession. Sinon, vous pouvez être taxé de recel donc, et perdre vos droits dans la succession. Donc, c'est vraiment important de bien informer le notaire de tous les enfants qui sont nés, dont vous avez connaissance. Et si jamais vous avez un doute, les généalogistes sont là pour pouvoir les retrouver et régler une succession de façon amiable et correcte pour que tous les enfants héritent du défunt. Et lorsqu'on parle d'enfants comme ça, on peut... d'enfants de filiation naturelle. On a la filiation naturelle, les enfants sont reconnus, et parfois ils ne sont pas reconnus. Oui. Alors quels sont les droits quand ils ne sont pas reconnus? Ils n'ont pas le droit à la succession s'ils ne sont pas reconnus, mais ils ont la possibilité de faire constater, alors maintenant devant notaire, par devant notaire, de faire constater après le décès qu'ils ont reçu les soins de la personne, des soins par la personne qui est décédée, enfin bref, que la personne décédée les a considérés comme leur propre enfant, avec des témoignages, avec des preuves, tout un faisceau de preuves, d'indices, qui permettront au notaire d'établir un acte pour constatant cette filiation d'enfant naturel. Et ce qui, à ce moment-là, ensuite donnera à cet enfant reconnu de cette manière les mêmes droits que les autres enfants dans la succession. Donc c'est très important, finalement... comme tu l'indiquais tout à l'heure, de ne pas cacher d'enfant dans une succession. Oui. Hein, parce qu'en plus, le délai pour établir cette filiation, il est de 5 ans. Donc imaginons qu'on ait réglé toute la succession dans les 2 ans et que ces enfants fassent des démarches pour se faire reconnaître. On sera obligé de tout remettre à plat. Et en plus, après ces 5 ans-là, ils ont encore 5 ans pour aller devant le tribunal pour pouvoir être reconnus comme étant les enfants de la personne décédée. Donc ce n'est dans l'intérêt de personne de cacher les choses. Alors si on revient un petit peu, on essaie de revenir un peu sur la partie le logement et la partie immobilière. Quels sont les conseils qu'on peut donner à ce qu'on appelle le primo-accédant, c'est-à-dire celui qui achète pour la première fois un bien immobilier? Alors déjà, moi, le premier conseil que je leur donne, c'est faites attention au coup de cœur. Bon, c'est quand même bizarre de dire ça, parce que bon, si on a un coup de cœur, c'est vraiment la maison de ses rêves. On a trouvé en fait le lieu, la maison qu'on voulait, mais on ne signe rien avant de s'être renseigné auprès de son notaire. Parce que même en signant une offre d'achat, vous signez une offre d'achat, vous êtes d'accord sur la chose et le prix. C'est-à-dire, voilà, c'est une maison qui est située à tel endroit, à tel prix, vous dites super, bon pour accord, vous le signez, il n'y a pas de souci. Et vous ne mettez aucune condition suspensive. Le souci, c'est que demain, votre vendeur peut vous dire, vous ne m'aviez pas dit que vous faisiez un prêt, moi je ne vous vends pas, je ne peux pas vous vendre. Donc, il faut vraiment, en fait, dès le début, vous faire accompagner par votre notaire pour pouvoir vérifier avec lui toutes les conditions. Ensuite, quand vous signez votre offre, votre promesse de vente, vous avez encore ce qu'on appelle un délai de rétractation. C'est-à-dire que pendant 10 jours, vous pouvez réfléchir et vous dire finalement, je ne suis pas d'accord. Mais c'est vrai que légalement, vous avez ce droit. Mais le problème, c'est qu'en amont, vous avez quand même déjà fait des dépenses, vous avez payé la promesse de vente, il y a déjà des choses qui sont faites. C'est pour ça qu'avant même de signer, posez-vous les questions, faites-vous accompagner par votre notaire, on vérifie ensemble les diagnostics. Si c'est un terrain, on va vous poser les questions, est-ce que vous êtes allé vérifier les bornes, est-ce que vous avez vu les voisins, est-ce que vous êtes allé voir le bien plusieurs fois à différents horaires. Donc c'est vraiment important de se poser les questions, d'être accompagné par un professionnel pour pouvoir acheter en toute sérénité. Et quand j'ai fait mon achat, ne pas avoir à le regretter ou à me poser des questions trop tardivement. Exactement. Alors j'ai une question là, justement, lorsque c'est bon pour le premier achat, mais lorsqu'on signe une promesse de vente, est-ce qu'il est obligatoire de verser un dépôt de garantie? Alors oui, c'est conseillé, parce que c'est quand même une protection de l'acquéreur, et en plus une promesse de vente authentique. Selon les délais, il y a certaines fois, il y a des obligations aussi de verser cette somme. Elle est en principe entre 5 et 10%, mais elle peut être négociée aussi entre vendeur et acquéreur. L'avantage pour le vendeur, c'est de savoir quand même que l'acquéreur, il a quand même les moyens d'aller et de pouvoir continuer en fait l'opération. C'est une garantie. C'est un gage de sérieux aussi pour quelqu'un qui achète. Quelqu'un qui achète un bien immobilier doit quand même être en mesure de pouvoir verser un dépôt de garantie. Oui. Alors, sauf à rassurer immédiatement son vendeur en lui communiquant une attestation
déjà d'accord de prêt, hein, ce qui peut arriver, parce qu'on a des banques qui parfois financent, outre le prix d'acquisition, les frais d'acquisition. Donc si effectivement l'acquéreur prouve à son vendeur que le financement ne posera aucun problème, ça va rassurer le vendeur qui pourra se contenter d'un faible dépôt de garantie, voire même d'absence de dépôt de garantie. Mais sinon, ça porte bien son nom. C'est une garantie pour le vendeur. Alors pour l'acquéreur, qui lui est garanti dans la promesse de vente par les clauses qu'il a pu mettre, les clauses suspensives d'obtention du prêt, il faut bien le rassurer aussi. Cette somme-là, imaginons qu'il n'ait pas de prêt dans les délais qui sont prévus à la promesse de vente, parce qu'il y a un délai pour obtenir le prêt, et dans les conditions aussi de la promesse de vente. Parce que si dans la promesse de vente, vous avez mis sous condition d'obtention d'un prêt de 200 000 euros, vous ne pouvez pas amener un refus de prêt de 230 000 euros. Il faut vraiment respecter les conditions de la promesse de vente. D'ailleurs, si les conditions de la promesse de vente sont pleinement respectées, il faut savoir que le notaire vous remettra votre dépôt de garantie sans aucun problème. Par contre, si votre refus de prêt est basé sur des conditions différentes, s'il est trop tardif, etc., le sort de ce dépôt de garantie posera quelques problèmes. Ou alors si le vendeur s'oppose. Parce que si jamais le vendeur s'oppose, il faut savoir que nous ne sommes pas en fait juges. Ce n'est pas à nous de décider. Malheureusement, c'est de jurisprudence constante. Hein. C'est-à-dire que les juges, ils sont unanimes dans ces points-là. Le notaire, il n'a pas à décider. Il peut avoir tous les justificatifs, 50 refus de prêt. Ce n'est pas lui qui doit décider. Si le vendeur s'oppose à cette restitution, il faut en fait l'accord des deux parties, donc vendeur et acquéreur, ou alors une décision de justice devenue définitive. C'est-à-dire que c'est le juge qui va trancher et qui va dire au notaire, tu remets au vendeur ou tu remets à l'acquéreur. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, ça engage les deux parties. Donc il faut savoir qu'on ne peut pas toujours nous faire tout ce qu'on veut, quoi, aussi, à ce niveau-là. Et cette promesse de vente, elle doit se réaliser dans un certain délai. Oui. Donc en général, le délai va dépendre un petit peu des conditions et également de la nature du bien que l'on vend. Exactement. Hein? D'usage, il est d'usage assez courant pour un appartement, une maison, de prévoir un délai de réalisation autour de 3 mois, avec dans ces 3 mois un délai de 2 mois pour obtenir le financement. Hein, ça, c'est un usage, mais c'est pareil, ces délais-là, tout comme le dépôt de garantie, vous pouvez le négocier avec le vendeur, hein, parce que c'est vraiment du consensuel entre les parties. Donc, on négocie le délai s'il vous faut un peu plus de délai pour obtenir le prêt. Ou même, le vendeur peut négocier aussi avec son acquéreur. C'est ma résidence principale, ben, je vais partir ben, juste avant les vacances. Donc, j'ai besoin d'un délai de 6 mois parce que finalement, c'est en juillet que je dois partir et on signe en janvier. Ben, je conviens avec mon acquéreur que ben, je ne pourrai signer la vente ben, qu'en juillet. C'est vraiment consensuel, donc il n'y a vraiment aucun problème. Simplement, il faut parler. Il faut discuter et informer le notaire qui va mettre vos conventions par écrit. Tout sera donc mentionné dans la promesse de vente. Oui. Et on ne devrait pas rencontrer de soucis par la suite. Donc, cette promesse de vente, c'est ce qu'on appelle l'avant-contrat. C'est un préalable à la vente. Oui. Hein? Et que se passe-t-il justement entre cette promesse de vente et la signature de l'acte de vente définitif? Que fait le notaire? Quelle est la mission du notaire? Ah ben, le notaire, il travaille pendant ce temps. Il ne faut pas penser qu'une fois qu'on a signé la promesse de vente, ben, on a fini avec vous et on se revoit dans 3-4 mois sans rien faire. Donc, tant l'acquéreur qui va travailler, puisqu'il va se rapprocher de sa banque pour pouvoir obtenir son financement, ben, le notaire, lui aussi, il va interroger en fait les différents organismes, ce qu'on appelle quand on vous dit on va vous faire des formalités. Ben, par exemple, on va vérifier est-ce que le vendeur est toujours propriétaire. On va interroger ce qu'on appelle le service de publicité foncière pour voir s'il est propriétaire. Est-ce qu'il y a une hypothèque, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une banque qui a pris une garantie, ou même parfois, ce que vous ne savez pas, les impôts peuvent avoir pris en fait une hypothèque sur votre bien en garantie des impôts que vous n'avez pas payés. On va vérifier au niveau de l'urbanisme, est-ce que c'est un terrain constructible, est-ce qu'il n'y a pas un emplacement réservé, voilà. Quelle est la situation du bien au niveau de l'urbanisme. Donc on a comme ça plusieurs, on va vérifier aussi votre état civil, hein. On va vérifier aussi au niveau de fichiers si vraiment par exemple vous n'avez pas une interdiction d'acheter un bien immobilier. Donc nous avons en fait plusieurs formalités à faire. Et aussi ce fameux droit de préemption de la commune, parce que parfois, dans certaines communes, selon certains biens, la commune est prioritaire dans l'achat. Est-ce que tu peux nous indiquer qu'est-ce que c'est ce fameux droit de préemption, justement? Ben, le droit de préemption, c'est effectivement, comme tu l'indiques, une possibilité pour la mairie d'acquérir au lieu et place de l'acquéreur. Donc on est tenu, selon la zone de situation du bien, selon que la commune est parfois, comme on le voit ici, on a une commune, on peut la citer, hein, les Trois-Îlets, elle dispose d'un droit de préemption qui est renforcé.
un droit de préemption renforcé, ce qui signifie que toutes les ventes qui ont lieu sur cette commune sont soumises à ce droit de préemption. Donc ce droit de préemption, c'est une possibilité pour la mairie d'acquérir aux mêmes conditions que l'acquéreur. Donc le notaire va établir ce qu'on appelle une déclaration d'intention d'aliéner qui contient toutes les conditions de la vente et l'adresser à la mairie sous forme recommandée. La mairie disposera d'un délai de 2 mois pour faire part de sa position, soit de renoncer à l'acquisition, soit d'acquérir, soit enfin la mairie pourra également se taire pendant 2 mois. Et si la mairie se tait pendant 2 mois, il y a une présomption de renonciation à ce droit de préemption, une renonciation tacite, comme on dit. Et bon, il faut savoir que la mairie ne peut pas acheter votre bien comme ça n'importe comment. Hein, la mairie ne va pas dire « je me porte acquéreur », etc. La mairie doit évoquer un motif d'intérêt public pour réaliser l'acquisition et elle disposera après d'un délai bien précis de 4 mois pour régulariser l'acquisition. Vous avez aussi la possibilité de contester hein, quand la mairie ne réalise pas l'acquisition ou si elle ne réalise pas l'opération pour laquelle elle a décidé d'acquérir. Donc ça, effectivement, ça fait partie des formalités que le notaire a effectuées, mais il y en a énormément. Hein, on n'a pas parlé ou très peu de la capacité. L'une des principales choses que va vérifier le notaire, c'est la capacité des parties. Sont-elles en capacité de vendre ou d'acquérir le bien immobilier? L'acquéreur n'est-il pas touché par un jugement, par exemple, qui l'interdirait d'acheter un bien immobilier? Donc le notaire va le vérifier en sollicitant le casier judiciaire uniquement sur ce point. On va vérifier la capacité que les personnes ne soient pas sur tutelle, sous tutelle, sous curatelle. On va vérifier que l'acquéreur, le vendeur, par exemple, n'est pas aussi en surendettement. Hein, ou ne fait pas partie d'une société qui est en liquidation judiciaire. Donc, toutes ces vérifications, c'est vrai que c'est un travail que les clients ne voient pas, hein, parce que c'est un travail que le notaire effectue entre la promesse de vente et la vente, mais qui consiste à garantir la sécurité du contrat qui sera rédigé. Hein, et c'est le rôle, la mission première du notaire qui établit des actes authentiques, c'est que ces actes soient sécurisés à 100%, qu'ils ne puissent pas faire l'objet d'aucune contestation. Donc effectivement, on parlait de droits de préemption de mairie, il y a eu peur des droits de préemption des locataires, de la SAFER, que lorsque vous avez un terrain dans une zone qui est naturelle, agricole, la SAFER aussi dispose d'un droit de préemption, avec pour but principal, pour ce qui concerne la SAFER, de lutter contre les spéculations immobilières. Hein, il faut que ces terrains-là restent à une valeur bien précise. Donc, tu parlais de locataires, Sébastien, c'est vraiment important en fait, parce que souvent on se dit, moi j'ai fait un courrier au locataire, il est parti, ou je lui ai dit, faut que tu parles parce que je vends. Il faut faire très attention à ce genre de choses, il faut vraiment informer votre notaire de ça, parce que votre locataire a un droit de revenir dans le bien. Donc tout dépend de la date à laquelle vous lui avez demandé de partir. Si vous lui avez fait ce qu'on appelle un congé pour vendre, il faut le faire dans des délais bien précis. Et des formes. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi, et des formes bien précises, parce que si vous ne l'avez pas fait convenablement, votre locataire a le droit de rester dans le bien et peut même retourner après. Donc vous portez un préjudice à votre acquéreur qui peut se retrouver avec un locataire qui demande à ce que ses droits soient respectés et qui demande à retourner habiter dans le bien. Donc c'est important, même si votre locataire est parti, déjà au moment où vous vendez le bien, d'informer votre notaire qu'il a été loué, dans quelles conditions il a été loué, de lui fournir le contrat de location et surtout comment votre locataire est parti. Oui, bien vérifier effectivement comment le congé a été fait. Parce que, je disais, il doit respecter des formes bien précises. Et s'il n'est pas fait dans les formes, le congé est nul et non avenu. Et puis, vous ne pouvez plus le refaire tout de suite. C'est ça. Hein, parce que vous n'êtes plus dans les délais. Donc, imaginons qu'une vente soit passée avec un congé pour vendre qui ne respecte pas les formes. Effectivement, on peut voir le locataire refaire surface. Le locataire refaire surface en indiquant, moi, je reste dans les lieux, etc. Ou s'il est fait dans les formes, faites attention aussi au prix du congé. Oui. Parce que si vous décidez finalement, vous faites un congé pour vendre au locataire sous un prix à 200 000 euros, puis qu'au final, vous vendez le bien 190 000 euros, il faut reformuler une nouvelle offre à votre locataire, puisque vous avez changé le prix. Hein, donc, et si vous ne le faites pas, là aussi, c'est pareil. Le locataire peut contester la vente qui a été faite à un prix inférieur. Donc c'est vrai qu'il y a toutes ces formalités-là, elles sont assez pointilleuses. Et il faut veiller à ce qu'elles soient effectivement bien faites. Oui. Donc une fois que toutes ces formalités sont effectuées, une fois que l'acquéreur a obtenu son financement, on passe donc à l'acte de vente. Alors comment se passe cette préparation de signature, l'organisation de ce rendez-vous de signature
d'acte de vente. Alors tout de... ça, c'est pour les... on parle beaucoup pour ceux qui ont déjà acheté 10, 15, 20 biens immobiliers, ils savent comment ça marche. Mais on parle beaucoup pour les premiers accédants. Voilà, les premiers accédants, les gens qui sont en train de nous regarder et qui se disent, voilà, j'envisage d'acquérir un bien immobilier, mais je ne sais pas du tout comment ça se passe, que dois-je faire. Donc là, on est donc au stade de la vente. Alors au stade de la vente, comment ça se passe une fois que le dossier est complet, on va dire? J'ai rendez-vous avec mon notaire, c'est bon, j'ai des avis avec ma banque, tant pour débloquer le prêt que débloquer mon apport personnel, c'est-à-dire la partie que moi je dois payer. Il y a une chose importante qu'il faut faire. Il faut retourner visiter le bien. Il ne faut pas aller voir votre notaire. Ah ben oui, je l'ai vu il y a 3-4 mois quand j'ai signé la promesse. Non, vous retournez visiter parce que, un, par exemple, votre vendeur, il a pu quitter le logement parce que c'était sa résidence principale. Donc, il faut vérifier comment est l'état du bien. Si vous aviez des meubles que vous achetez, est-ce qu'ils sont bien toujours là? Votre vendeur aussi pouvait être absent. C'est-à-dire que le bien pouvait être fermé. Donc, vérifier qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas eu de sinistre entre-temps. Si vous avez un doute... J'ai eu le cas où un client, mon citier me fait, mais au fait, maître, il y a une grosse tache au-dessus du lit, sur le mur et sur le toit, c'est quand même bizarre. Hein. On aurait dit qu'il y a de l'eau. J'ai dit, mais vous avez fait constater, vérifier ce que c'est? Ah ben non, mais bon, je veux être propriétaire, c'est vraiment le bien que je veux. J'ai dit, bon, stop, on arrête tout. Faites constater, le vendeur, c'est par procuration, on l'appelle, il n'était même pas au courant. Ils vont, ben, dégâts des eaux. Ah ben oui, donc déclaration de sinistre et tout. Donc, c'est vraiment important de le faire en amont. Qui est survenu avant la vente. Donc, il faut effectivement vérifier. On a beaucoup d'anecdotes comme ça. Je pense à une anecdote, parce qu'on peut raconter quelques petites anecdotes. Hein. Mais moi, je pense à une signature où les gens étaient sous le charme d'une maison avec un beau portail en fer forgé, etc. Et une fois qu'ils avaient signé et qu'ils sont allés à la maison 2 heures après la signature, le portail en fer forgé était devenu blanc en aluminium. Donc, ou bien des maisons qui se vendent avec piscine. On ne va pas voir si la piscine est bien en route, si elle fonctionne. Et une fois qu'on a acheté, on arrive, on a une maracana à moitié remplie. Donc, on peut avoir des désagréments si jamais on ne va pas revisiter le bien le matin de la signature, par exemple. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment un conseil que l'on peut donner à tous les gens qui achètent. Après, donc, le rendez-vous de signature, comment ça se passe? Donc, le notaire... Ben, il va vous préparer un décompte financier dans lequel vous aurez indiqué le prix de vente, les frais d'acquisition, éventuellement les honoraires d'agence immobilière si vous êtes passé par une agence immobilière, divers prorata, on appelle ça un compte de répartition, divers prorata, parce qu'on va répartir au prorata, par exemple, la taxe foncière. Hein. On va répartir au prorata, si on achète un appartement en copropriété, les charges de copropriété. On va rembourser à son vendeur des avances que le vendeur avait pu verser à la copropriété. Bref, vous allez recevoir un décompte précis, qu'on nomme aussi dans notre jargon commun un appel de fonds, hein, des comptes financiers, appel de fonds, à transmettre à votre banquier de manière à ce que le déblocage des fonds puisse être effectué. Et il n'y aura pas de signature tant que le notaire n'aura pas reçu les fonds. Hein, même en disant « j'ai viré les fonds, voici une preuve de virement », non. Sachez que le notaire ne vous recevra pas tant qu'il ne voit pas les fonds sur le compte de son étude. Et donc, bah, une fois que les fonds sont versés, on se retrouve chez le notaire. Et que se passe-t-il chez le notaire, Catherine? Alors, donc, les fonds, pourquoi ils doivent être versés? Parce que nous, une fois que vous avez signé, il faut qu'on paye votre vendeur. Donc, si nous n'avons pas l'argent, nous ne pouvons pas payer le vendeur. Donc, lors du rendez-vous de signature, bien sûr, ça diffère d'un office à l'autre. Hein, mais le notaire vous reçoit, on lit l'acte avec vous. Donc, c'est super important. Pas à dire, bah, je suis pressée, je dois aller récupérer les enfants et autres, parce que... Vous avez pris un rendez-vous, donc on prend le temps, on regarde l'acte ensemble, on vérifie aussi les annexes, c'est-à-dire les documents qui complètent l'acte, donc nos fameux diagnostics, les différents plans du bien. Donc, par exemple, vous achetez un bien, vous savez que ben, quand vous avez regardé la clôture, ben, tout était bien tout droit, c'était bien un beau rectangle, et quand le notaire vous montre le plan cadastral, ben, c'est bizarre parce que ça fait un triangle. Faut pas hésiter à dire au notaire, attendez, stop, il y a un problème. Vraiment, on vous montre tous les éléments, on relit l'acte avec vous, on vérifie les conditions, on vérifie votre état civil. Donc, si entre-temps, vous vous êtes marié, vous avez oublié de dire ça au notaire, ça nous arrive. Faut pas oublier de lui dire, attendez, stop, je me suis mariée entre-temps, parce que ça, c'est super important. Et là, justement, une petite question sur le mariage, parce que quand vous êtes marié, ben, vous avez oublié de passer chez le notaire, vous êtes marié en communauté. On a un tout petit souci parce que donc, dans ce cas, vous serez 2 propriétaires, donc il faut vérifier encore. Donc, il faut vous dire que toutes les informations au niveau de votre état civil qui s'est passé entre la promesse et la vente, faut informer votre notaire. Pas une fois qu'on a signé. Non, comme ça m'est arrivé hier avec un client qui était veuf, et une fois que je raccompagne dans le couloir, il me dit, mais tu sais, je me suis marié la semaine dernière. Aïe. Oui,
il aurait peut-être fallu me le dire avant. Oui. Donc là, dans mon cas, c'était un peu sans conséquence parce qu'il vendait un bien propre qui n'était pas sa résidence principale. Mais pensez à donner les informations au notaire avant de signer l'acte. Et pas une fois que vous avez signé, qu'on vous raccompagne dans le couloir et vous nous dites quelques informations qui étaient essentielles pour l'acte de vente. Tout à fait. Donc c'est très important au moment de l'acte de vente de transmettre des informations qui ont pu se passer effectivement sur votre état civil depuis la promesse de vente. Vous pouvez vous être paxé, vous êtes marié, enfin il peut y avoir pas mal de changements. Et dans ton cas là où monsieur veuf peut se dire ben oui mais c'est mon bien, c'est pas ma nouvelle épouse, je l'avais avant de me marier avec elle, c'est à moi, il y a aucune raison en fait qu'elle intervienne à mon acte, mais le seul petit truc c'est que c'est votre résidence principale. Elle habite avec vous dans la maison, ben donc il faut qu'elle intervienne à l'acte de vente, qu'elle signe l'acte que vous faites. Pour dire oui, je suis d'accord pour que mon époux vende la résidence principale. Donc ça a toujours une incidence. Et qu'il y ait une incidence ou pas, informez votre notaire en amont. C'est vraiment important pour la sécurité juridique de l'acte que vous signez. Donc on parlait tout à l'heure, donc on signe l'acte de vente, hein, l'acte est signé. Et on parlait tout à l'heure du travail qui est effectué par le notaire entre la promesse de vente et la vente. Une fois que la vente est signée, ça s'arrête là pour le notaire ou il a encore des formalités à effectuer derrière ? Il a encore du travail. Donc justement, là on est en train de vous dévoiler l'intérieur des études et tout ce qu'on fait ensemble. Donc une fois que vous avez signé votre acte, c'est pas tout, nous on ferme pas tout en disant ok c'est terminé, non. Nous avons déjà donc à vérifier, donc à faire les transferts de fonds, c'est-à-dire que notre comptable va verser l'argent que vous avez mis sur votre compte à l'étude sur le compte du vendeur, nous allons payer le vendeur. S'il y a un syndic de copropriété... Alors j'ai une question sur ça, on me demande dans quel délai justement le notaire doit remettre le prix de vente au vendeur. En principe c'est plutôt rapide, donc il n'y a pas de délai bien précis mais c'est plutôt rapide. Par exemple, par contre, quand par exemple vous êtes dans une copropriété, il y a un délai légal, donc après tout est un cas d'espèce, mais ce n'est pas sur 10 ans quoi. Donc, une fois en matière de copropriété, c'est vrai qu'on peut peut-être insister là-dessus, oui. Il y a un délai à respecter. Car le notaire ne peut pas remettre le prix tant qu'il n'a pas reçu du syndic le certificat d'article 20, entre guillemets le quitus, comme quoi le vendeur est bien à jour de ses charges. Exactement. Alors c'est vrai qu'on s'organise pour essayer d'avoir le montant à payer avant, de manière à ce que le vendeur ait rapidement son argent. Mais si jamais on n'a pas le montant très précis, le notaire sera obligé d'effectuer la formalité donc, de notification de la vente au syndic avec les coordonnées de l'acquéreur. Et d'attendre ce délai de 15 jours pour voir s'il ne reçoit pas une opposition. Donc c'est vraiment ça, c'est un cas particulier de remise du prix. Sinon, exactement. Effectivement, dans les autres situations, normalement, on est en mesure de remettre le prix dans les jours qui suivent la signature de l'acte de vente. Donc une fois qu'on a payé tout le monde, les différents organismes et tout, ben, on n'a pas terminé. Non, on a encore une formalité qui est vraiment importante, c'est-à-dire qu'on doit publier l'acte au service de publicité foncière. Pour qu'en fait, désormais, les tiers soient au courant, c'est-à-dire que quand on demande ce qu'on appelle un état hypothécaire, c'est-à-dire un document d'hypothèque, pour vérifier qui est propriétaire du bien immobilier, mais qu'on sache que désormais, c'est vous, le nouveau propriétaire. Par exemple, vous avez fait aussi un prêt et la banque a demandé une garantie hypothécaire. Ben, il faut qu'on publie cette information au service de publicité foncière pour demain, si vous revendez votre bien, ben, le notaire, que ce soit le même ou un autre, ben, il interroge votre banque parce qu'il a l'information sur ce fameux été hypothécaire, c'est-à-dire ce document des hypothèques, qu'il y a une banque qui vous a prêté de l'argent. Donc, on va vérifier est-ce que vous devez encore de l'argent à cette banque ou pas pour pouvoir donc solder votre prêt et vous donner la différence de ce qui vous revient. Alors, c'est ce qu'on appelle effectivement la publicité foncière. Exactement. Hein, ça se passe au service de la publicité foncière des impôts à Cluny pour notre collectivité. Mmh. Et ce système, il faut savoir qu'il est public, il est ouvert à tous. Oui. Donc tout le monde peut obtenir des renseignements sur tous les actes qui sont publiés. Les actes qui sont publiés, c'est tous les actes qui portent sur des immeubles, alors que ce soit un terrain, une maison ou un appartement. Tous les actes sont publiés au service de la publicité foncière. Hein, c'est ce qui permet d'ailleurs, on me dit souvent, les actes, l'acte que l'on signe, il est où, combien il y a de copies, etc. Donc en général, par exemple, prenons notre acte de vente, sachez que l'original, il reste chez le notaire, exactement, à vie. Oui. Alors maintenant, nous avons des actes qui sont dématérialisés, électroniques, comme on dit, mais ils sont stockés sur un répertoire sécurisé qu'on appelle le MICEN. Donc ça, c'est l'acte, on va dire, l'acte original hein, que le notaire conserve. Vous avez, vous, en tant qu'acquéreur, vous recevez ce qu'on appelle votre copie authentique, c'est-à-dire un acte revêtu d'une mention de copie authentique, du sceau et de la signature du notaire, et vous avez une copie qui est destinée à ce service de la publicité foncière. Donc, par exemple, si j'ai perdu mon acte de propriété, bah, il me suffit d'aller soit chez le notaire chez lequel
j'avais signé l'acte pour lui en demander une copie. Je peux aussi me rapprocher du service de la publicité foncière pour obtenir une copie de mon acte. Donc on n'a aucune chance de perdre un acte de propriété. Donc voilà. Donc effectivement, il fallait insister sur toutes ces formalités. Je pense qu'on a, oui, on a déroulé entièrement un petit peu comment ça se passe de la promesse de vente à la vente. Et même après. Après, on a parlé effectivement aussi du prêt bancaire avec de la prise d'hypothèque. Donc voilà, maintenant vous êtes propriétaire de votre bien immobilier. On va peut-être parler, je vais laisser la place à Maître Midonné, mais on pourrait maintenant peut-être évoquer la question de la transmission de ce bien immobilier. Oui. Une fois que j'en suis propriétaire, je peux vouloir le transmettre un jour. Oui. Hein, je peux vouloir le transmettre à mes enfants, par exemple. Donc, ou j'ai pas d'enfant, voilà. À qui ? Ou j'ai pas d'enfant, à qui je pourrais le transmettre ? Qu'est-ce que je peux faire ? Ou je peux décider de le revendre. Et si je le revends, c'est la même procédure que ce qu'on vient de voir. Oui. Hein, on repart dans une procédure promesse de vente et vente. Et là, vous êtes au courant, donc pas de bêtises. Voilà, donc je vais laisser la place à Maître Midonné pour vous parler de cette transmission du bien immobilier. Ok, merci. À tout de suite. Bonsoir. Voilà. Donc, comme je vous disais, donc, nous étions deux membres de la Chambre à intervenir. Donc vous avez Maître Midonné. Donc, il va nous parler un petit peu donc, de ce fameux bien. Donc, finalement, c'est papa et maman qui ont acheté. Ils ont des enfants. Alors, papa et maman ont acheté leur bien. D'abord, il faut commencer par rembourser le crédit. Il vaut mieux. Oui. Alors, il faut débarrasser le bien de la dette. Et lorsque tout est remboursé, on peut, à ce moment-là, commencer à envisager la transmission. Il y a deux modes de transmission, essentiellement. Ou bien je transmets de mon vivant, c'est-à-dire de manière volontaire, c'est ce qu'on appellera les donations, je vais revenir sur cette notion de donation, ou bien je n'ai rien fait, et puis je suis décédé, ça arrive aussi un jour, d'accord ? Et la succession est aussi un mode de transmission, on est d'accord, d'accord ? En succession, je transmets un bien parce que je suis décédé. Bon. Alors, premier mode de transmission, c'est la donation. La donation, qu'est-ce que c'est ? C'est un acte fait par devant notaire. Il n'y a pas de donation en dehors du notaire. On a trop souvent vu des gens venir nous dire dans nos offices, on m'a donné de manière verbale. Non, nous sommes en pays de tradition écrite. Il n'y a pas de verbal, il n'y a pas d'oralité. Il n'y a pas de donation en dehors du notaire. Donc toute donation nécessite le passage devant un notaire. Ensuite, la donation, contrairement à la vente, quand je vends mon bien, j'en dispose, ça s'appelle un acte à titre onéreux. C'est-à-dire que je perds mon bien, mais en contrepartie, je reçois son équivalent sur mon compte en banque. Donc, acte à titre onéreux, je ne me suis pas appauvri. J'ai transformé mon patrimoine, il était en béton, j'en ai fait de la liquidité. Et la donation, c'est un acte d'appauvrissement d'abord. Je m'appauvris parce que c'est donné, c'est sans contrepartie. Donc, je donne mon bien à mon enfant, je m'appauvris, je me déleste. Et en contrepartie de l'opération, il en ressort enrichi. Donc, on fait cet acte. La donation, c'est donc une anticipation de la succession. D'accord ? Je peux donner à mon enfant, ou si j'ai plusieurs enfants, je peux aussi donner à plusieurs enfants. Et si j'ai plusieurs biens, je peux aussi décider de donner un bien à chacun des enfants. C'est ce qu'on appelle une donation partage. Par opposition à la donation, dans une donation, je donne un même bien à mon enfant, ou voire à plusieurs enfants. Dans une donation partage, le donateur réunit au même moment, dans un même acte, tous ses descendants et leur confère tout ou partie de ses biens. Donc en gros, il donne en fait à chaque enfant quelque chose. Il donne la donation partage, c'est très important, il faut donner quelque chose distinctement à chacun de ses enfants. Et si je donne ma maison, ben j'ai trois enfants, j'ai qu'une maison, hein. J'ai vécu bien longtemps, mais bon, j'ai fait une belle maison, mais j'en ai qu'une. J'ai trois enfants. Je peux donner ma maison à mes trois enfants ? À ma connaissance, ce n'est pas interdit. Il faudrait quand même prendre quelques précautions qui seront conseillées par le notaire. Il serait dommage qu'après avoir fait donation, le donateur se retrouve mis à la porte. Donc, dans les donations, il faut mettre des verrous qu'on appelle des clauses. Alors, le notaire vous conseille très bien à ce sujet. Le premier conseil qu'on pourrait donner par rapport à ce que tu viens de poser comme question... Je donne tout en voulant rester dans mon bien. Je vais donc garder l'usufruit du bien. L'usufruit, c'est la faculté pour celui qui donne de transmettre son bien tout en conservant l'usage du bien. Donc il peut soit l'occuper personnellement,
soit aussi en retirer le fructus, les fruits, c'est-à-dire des loyers. Je peux aussi louer mon bien et en contrepartie, je vais recevoir des loyers. Donc, premier mode de transmission, je donne avec la réserve d'usufruit. Et donc, si j'ai un usufruitier, c'est parce que j'ai des enfants qui sont nus propriétaires. Ils sont propriétaires, mais ils sont nus. C'est-à-dire qu'un propriétaire, en général, il peut disposer de son bien comme il l'entend. Là, j'ai un propriétaire, mais qui doit respecter le droit de l'usufruitier. Il ne peut pas vendre le bien tout seul. Il faut qu'il ait l'accord de l'usufruitier. Il ne peut pas non plus dire qu'il va louer le bien pour toucher des loyers. C'est une prérogative de l'usufruitier. Et l'usufruitier, c'est très important de le savoir, c'est lui, comme il conserve l'usage du bien, il a aussi les loyers, c'est aussi lui qui assurera toute la charge du bien. Donc il continuera à payer l'assurance du bien, l'entretien, et de manière générale, quasiment toutes les charges. Hein? Donc il y a peut-être deux types de charges prévues par le Code civil qui sont à la charge d'une propriété, mais on peut y déroger. Ce sont les charges, c'est ce qu'on appelle le clos et le couvert. Les travaux de toiture et de clôture qui en général sont à la charge du nu propriétaire, mais il n'est pas interdit à l'usufruitier de tout prendre à sa charge. Voilà pour la donation et comment protéger le donateur. Sachant juste, excuse-moi de t'interrompre, donner ses données, reprendre ses volets. Donc, parce que moi j'ai un parent, ben, je leur ai donné, mais aujourd'hui ben, on ne s'entend pas trop, je veux récupérer mon bien. Ben, j'ai donné, c'est définitif. Donc il ne faut pas oublier une fois que vous donnez de bien vous renseigner avec votre notaire, qu'est-ce que je peux faire après. Parce que comme Eric le disait, vous avez un droit d'usufruit, donc d'habiter, d'avoir les loyers, mais vous ne pourrez pas vendre, ce n'est plus à vous. Si vous vendez avec les enfants. C'est et ça. Si malheureusement votre enfant est décédé et qu'il a lui-même des enfants, vous avez vos petits-enfants qui sont propriétaires. Alors, oui. Alors, ce qui motive généralement une opération de donation, c'est que nous sommes dans une logique. Le donateur, parent, est dans une logique qui voudrait que les parents, les ascendants, s'en aillent avant les descendants. C'est ça nos prévisions humaines. Statistiquement, un parent est censé décéder avant son enfant, d'où l'intérêt de la donation. Mais il se peut qu'un accident perturbe nos prévisions. Et c'est ainsi qu'un enfant qui a reçu un bien peut disparaître accidentellement avant son auteur, avant son papa, sa maman. Et nous mettons donc des clauses qui font face à ces situations. Les actes sont très complets. Oui. D'accord ? Donc ça s'appelle une clause de droit de retour. Je t'ai donné mon bien. Si tu viens à décéder avant moi, si tu décèdes sans enfant, oui, avant moi, je récupère mon bien que je t'ai transmis. Donc l'intérêt de cette clause, elle évite que le bien aille se perdre dans des familles étrangères. Alors c'est une vieille clause dans notre arsenal juridique, elle date de Napoléon, qui était très attaché à la famille, et voulu la famille, c'était famille par le sang, et il n'a jamais voulu que les biens aillent dans des familles étrangères. Donc le droit de retour permet à celui qui a donné de récupérer son bien si son enfant décède sans enfant. L'enfant décède en laissant des enfants à son tour, donc des petits-enfants par rapport au donateur, pas de problème, il y a transmission aux petits-enfants. Ensuite, on trouve quelques clauses, parfois, mais qui ne sont pas que des cas d'école, qu'on appelle des clauses de action révocatoire. Catherine a dit tout à l'heure que bien donné, c'est bien donné, c'est vrai. Il y a quand même des exceptions très rares où je peux reprendre mon bien. Alors, on trouve de vieux exemples dans la littérature. Balzac fournit quelques exemples où un parent usufruitier a donné son bien et l'enfant trouve que l'usufruitier dure trop longtemps. Donc, il donne un petit coup de pouce. Donc, il attend à sa vie, autrement dit. Bon, c'est une hypothèse morbide, mais qui n'est pas d'école. Ça s'est produit déjà en jurisprudence, on trouve des exemples. Et dans cette hypothèse, par décision de justice, il est possible de faire révoquer la donation. En dehors de ces cas, il n'est pas possible. On s'est fâché avec son enfant, il ne sera pas possible de reprendre le bien, ça c'est sûr. Alors, nous avons une petite question. Donc, bonsoir. Mon notaire, j'ai mon notaire. Mon vendeur a son notaire et il veut absolument que je passe par son notaire uniquement. Qu'est-ce que je fais ? Mais il faut savoir que vous êtes libre, chacun, d'avoir votre notaire. Donc, je vais laisser Eric vous développer ça. Alors, oui, il faut le savoir. Vous choisissez librement votre notaire, comme on choisit son médecin,
son mécanicien, son boulanger. Donc, il est possible en cas de vente que le vendeur est son notaire et que l'acquéreur est le sien. Ça fait donc deux notaires. On pourra se demander si le fait qu'il y ait deux notaires ne vient pas surenchérir le coût de l'acte pour celui qui paye. Pas du tout. Pas du tout. Ça coûte la même chose, pas un centime de plus. Il faut savoir que les frais d'acte, les émoluments sont répartis entre les deux notaires. Tout ceci parfaitement bien orchestré par la profession. Donc, de manière déontologique, les deux notaires travaillent ensemble. Chacun connaît parfaitement la musique, la clé de répartition. Et les actes se signent en général sans encombre avec deux notaires. Tout à fait. Et puis maintenant, avec les actes authentiques électroniques, vous pouvez aussi donc être chacun chez votre notaire et on signe de façon dématérialisée en visio. Donc, il n'y a aucun problème. Chacun a son notaire. Ça ne coûte pas plus cher. Et en fait, il faut simplement vous dire, faut pas imposer à l'autre votre notaire. Parce que malheureusement, souvent, ça crée, à un moment ou à un autre, dès qu'il y a un petit souci quelconque, ça crée une méfiance. Pourquoi tu m'as imposé ton notaire et autres? Il ne faut pas hésiter à dire à l'autre, j'ai mon notaire. Ça fait un moment que je travaille avec. Je voudrais travailler avec lui. Moi, je suis vendeur. Mon notaire va transmettre à ton notaire les informations, puisque c'est le notaire acquéreur chez nous, du moins en Martinique, Guyane, qui rédige. Et il va avoir toutes les informations, il va faire les diagnostics, il va faire moi, vendeur, je vais tout faire. Je vais transmettre au notaire acquéreur qui, lui, va rédiger l'acte, va transmettre en amont, puisque chaque notaire va vérifier pour son client. Ce n'est pas qu'il y ait pas une confiance, c'est simplement moi, j'ai mon notaire et j'ai confiance en mon notaire. Le notaire, il est neutre. C'est-à-dire que si vous en prenez le même, il n'y a aucun souci. Il ne va pas travailler plus pour l'un que pour l'autre. Par contre, si vous avez déjà le vôtre, il n'y a pas de raison de ne pas le conserver. Tout à fait. D'autres questions? Alors, la loi Latchimi est-elle maintenant applicable sur nos territoires? Ça, c'est un internaute qui ne nous avait pas encore entendu. Alors, là, on sort un petit peu du domaine du logement, mais pas forcément. Pas forcément. Donc oui, la loi Letchimy s'applique sur notre territoire depuis 2018-2019. Elle est pleinement opérationnelle. Alors, il faut savoir qu'il y a des conditions d'application pour que cette loi puisse fonctionner. Alors d'abord, quel est l'objectif de la loi Letchimy? Vous le savez, ou alors je vous le précise, pour régler les problèmes de succession ou de sortie d'indivision, le Code civil pose une règle, c'est l'unanimité. On veut vendre bien, on veut le partager, il faut que tous les héritiers soient unanimement d'accord. Problème, souvent, on est 10, et puis il y a un seul qui pose difficulté. Bon. Donc cette loi Letchimy a pour objectif de permettre une sortie d'indivision dès lors qu'un seul n'est pas d'accord, dès lors qu'on a une majorité de 50+1 qui est d'accord, on peut la mettre en œuvre. Mais, pas systématiquement. Il faut tout d'abord que les successions aient au moins 10 ans. Elles ne s'appliquent qu'aux successions dont le décès a au moins une dizaine d'années. Ensuite, il faut que toutes les successions soient réglées. Or, on a un problème en Martinique. C'est qu'on ne règle pas suffisamment les successions. Donc je reçois régulièrement des clients qui viennent à l'office me disant, voilà, nos parents sont décédés, on a des frères qui sont décédés aussi. Et on a entendu parler de la loi Letchimy, on voudrait la mettre en application. Oui, on pourra, mais vous devrez d'abord préalablement régler toutes les successions. Et c'est quoi régler la succession? Alors, les successions s'articulent en deux volets. Tout d'abord, il y a des personnes qu'on appelle des héritiers. Il faut que le notaire puisse vous établir le périmètre des héritiers, c'est-à-dire qui hérite. D'accord ? Est-ce que ce sont les parents, le père, la mère, les frères et sœurs, les enfants ? Donc, ou bien il y a un testament qui vous le précise, ou bien il n'y a pas de testament, et c'est le notaire qui applique la loi, et il vous indique qui sont les héritiers. En général, le plus couramment, ce sont des descendants, donc des enfants. Et ensuite, la personne, donc les héritiers, ce sont des personnes qui viennent à la suite d'une personne décédée. Et puis, la personne décédée laisse des biens immobilier, d'où le fait qu'on va voir le notaire, c'est pour une transmission du patrimoine immobilier aussi. La personne décédée ayant laissé des patrimoines immobiliers, eh bien, il faut que ce patrimoine soit transmis. Parce que, comme on dit souvent, il n'y a pas de bien sans maître.
Donc, dans la seconde qui a suivi le décès d'une personne, les biens de cette personne sont revenus déjà, sans même que vous le sachiez, aux héritiers. Mais il faut des actes qui le constatent. Donc, on va voir le notaire pour qu'il établisse les actes qui s'imposent, les titres de propriété, les transmissions des biens au nom des héritiers. C'est ça, régler une succession. Et puis enfin, pour être complet, une succession nécessite... On s'enrichit. C'est ainsi que le législateur le conçoit. On s'enrichit, on reçoit son patrimoine. Eh bien, il faut payer un impôt. C'est comme ça. Et l'impôt sur l'héritage s'appelle les droits de succession. Donc, le notaire vous établit une déclaration de succession. C'est un document qui est destiné au fisc. C'est une photographie du patrimoine du défunt. Donc, on retrouve dedans tout ce qu'il avait. Et à partir de ça, le notaire fait des calculs pour savoir à combien s'élèvent les droits de succession ou si on en est exonéré. Donc là, donc, vous avez compris un petit peu donc, ce que c'est que la succession et qui hérite de quoi. Donc là, maintenant, nous avons un internaute qui nous dit « Je veux louer mon logement. Quelles sont les précautions à prendre avec mon locataire ?» Ce n'est pas seulement les précautions à prendre avec votre locataire. Il faut savoir que quand vous mettez un bien en location... Vous donnez le bien à quelqu'un qui va l'occuper dans certaines conditions et pendant un certain délai. Et vous ne pourrez plus faire ce que vous voulez. Tout à fait. Vous nous donner les informations ? Oui. Donc, je suis propriétaire de mon bien. Donc, je peux très bien en retirer les fruits. D'accord ? Je vais le louer, toucher des loyers. Et donc, je vais cesser de l'occuper à titre personnel. Je vais installer un locataire qui aura des droits. Donc, ces droits seront définis dans un contrat. Qu'on appelle le contrat de bail. D'accord ? Et le contrat de bail va clairement définir et les droits du propriétaire, le bailleur, et les droits du locataire, l'occupant. Il faut fournir une information minimale au locataire. Il lui dit par exemple s'il y a de l'amiante ou pas dans le bien. C'est important, c'est une mesure de santé publique. Oui. D'accord ? Donc, l'informer sur le diagnostic amiante. Si vous avez des clims, il est bon qu'il soit aussi informé. Ce n'est pas encore obligatoire, mais vivement recommandé, qu'ils soient informés sur le caractère énergivore ou pas du logement qu'il louera. Et puis, il faudra respecter aussi son intimité. Donc, vous ne pourrez plus entrer dans votre bien comme vous le souhaitez. Donc, souvent, il est prévu un droit de regard de temps en temps, au moins une fois l'an, mais vous ne pourrez pas y aller comme vous le souhaitez dans votre bien. Pour voir son état. Donc, quand on donne son bien en location, au tout début, on fait ce qu'on appelle un état des lieux. L'état des lieux consiste à regarder avec le locataire quels sont les défauts, en l'occurrence, sur le bien, l'état des peintures, l'état des carreaux, l'état des sanitaires, etc. Et il faut conserver ce document état des lieux avec son bail. C'est très important, puisque le jour où le locataire sortira de la maison, vous referez la même chose, mais qui s'appellera un état des lieux de sortie. Et on va comparer l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie pour voir ce qui était dégradé. Il faudra distinguer ce qui était dégradé de manière naturelle. Je veux dire, une peinture, elle s'use naturellement avec le temps qui passe. Des dégradations qui sont le fait de l'homme. Si vous avez trop fait la fête le vendredi soir dans l'appartement avec les copains, des soirées trop alcoolisées, une dégradation excessive du bien, elle vous sera imputable. Voire même, le locataire pourrait être tenté de retenir votre dépôt de garantie. Ce que vous avez versé, pour remettre en état le bien que vous avez dégradé. Donc, non seulement donc, il y a toutes ces informations à prendre en compte pendant la vie du bail, c'est-à-dire pendant que votre locataire sera dans le bien, et on parle justement, on retourne sur notre point d'accroche, c'est-à-dire le logement. Donc j'ai mon logement, j'ai mon locataire justement, j'ai fait les choses bien. Je suis même allé voir mon notaire, parce qu'il faut savoir que votre notaire peut vous accompagner dans la rédaction de votre bail. Que ce soit un bail à usage d'habitation ou à usage commercial ou autre, puisque je peux avoir aussi un commerce que je loue. Donc, c'est important que d'être accompagné pour avoir les clauses. Mais surtout, demain, je dois revendre ce bien-là que j'ai loué. En amont, je vérifie avec mon notaire comment faire. Parce que si mon acquéreur veut avoir un bien libre, c'est-à-dire qu'il ne veut pas avoir de locataire parce qu'il veut habiter dans le bien, il est important de savoir est-ce que mon locataire peut partir, quand est-ce, dans quelles conditions. Et puis, mon acquéreur se dit, je récupère ton locataire, il n'y a pas de problème, mais je vais changer le loyer. Non, on ne peut pas modifier non plus unilatéralement le loyer comme ça. Hein. C'est ça, Eric. Tout à fait. Alors, dans le bail, c'est parfaitement prévu et organisé.
L'augmentation du loyer ne peut se faire qu'à l'occasion de révision du loyer parfaitement convenue dans le bail. Donc il existe des indices fournis par le législateur auxquels on se réfère et qui vont encadrer l'augmentation du loyer. Il ne s'agit pas de dire au locataire, le coût de la vie a augmenté, donc moi, les loyers ne me suffisent plus, j'augmente le loyer de 150 euros par mois. Non. Le locataire est quand même très protégé, en droit français, et l'augmentation du loyer ne peut résulter que du calcul fait à partir des indices. Entre l'indice d'aujourd'hui, je veux réactualiser mon loyer, et l'indice d'origine qui figure dans le bail. Exactement. Donc tout à l'heure, on a parlé du veuf, là, justement, qui s'est remarié entre-temps en vendant son bien, en faisant attention, ben, si c'était la résidence principale, ben, malheureusement, il aurait fallu faire un petit acte rectificatif pour que madame puisse intervenir, puisqu'on ne peut pas vendre la résidence principale. Il faut savoir que souvent, les gens se disent, ben, moi, je me suis mariée, j'ai fait un contrat de séparation des biens, là aussi, résidence principale, il faut l'intervention, en fait, du conjoint quand vous vendez absolument, votre bien. Absolument. Il y a autre chose aussi dans le contrat de séparation des biens. Les gens, ils pensent, ben, j'ai un contrat de séparation des biens, je décède, ben, mes enfants vont tout hériter et mon conjoint, il n'a rien du tout. Est-ce vrai? Alors, c'est archi faux, dans un premier temps. Il faut bien comprendre que le régime de la séparation de biens, c'est l'organisation du patrimoine entre deux personnes, qu'on appelle des époux. Donc on fait souvent une séparation de biens parce qu'on veut maintenir de manière séparée le patrimoine ou parce qu'on a des activités qui sont à risque. D'abord, quand on est marié en séparation de biens, ça ne veut pas dire qu'on vit chacun séparément. On vit bien ensemble, mais les patrimoines restent séparés parce qu'on veut les protéger. Alors protéger contre qui? Protéger contre d'éventuels créanciers, c'est ça le danger. C'est qu'en communauté, quand je me marie sans contrat, quand un crée une dette, il a créé sans le savoir aussi une dette pour l'autre. En séparation de biens, celui qui a créé la dette, eh bien la dette reste propre à celui qui l'a créée. Donc c'est un mode de fonctionnement. Tant que fonctionne le régime matrimonial, les biens restent séparés et donc l'époux gère ses biens tout seul. En revanche, quand survient le décès, le mariage crée des droits. Il crée des droits et donc notamment un droit à héritage. C'est tellement vrai que depuis 2007, le législateur a voulu créer une loi pour exonérer totalement des droits de succession les conjoints survivants. Donc, même marié en séparation de biens, au moment du décès, le conjoint survivant hérite. Et j'ai souvent des clients dans mon bureau qui font cette découverte à l'ouverture de la succession. Ils me disent, mais comment, j'étais en séparation de biens, j'ai toujours tout fait tout seul, comment est-ce qu'aujourd'hui mon époux ou mon épouse vient hériter? Je dis, madame, c'est un effet de la loi. Oui, et il y a même quelque chose de plus important. Je me suis mariée, je suis en séparation des biens. Je n'ai pas d'enfant, je suis mariée. Tous mes biens, je les ai achetés. Mais qui hérite? Mon époux. Papa et maman ne sont plus là. Mais mes frères et sœurs, ils n'héritent pas. C'est mon époux qui hérite de tous mes biens. Donc, c'est important, en fait, de se renseigner, de ne pas laisser les choses aller. Et justement, ben, cet époux, ce veuf, on va le prendre pour un exemple de, pendant toute la soirée. C'est mon bien, finalement, j'ai vu mon notaire, j'ai bien fait les choses. Je vends le bien, mais j'ai quelque chose à payer, en fait. Ou c'est l'acquéreur qui va tout payer, parce que j'ai cru entendre une histoire de plus-value. Alors, la plus-value, effectivement, en cas de vente, il faut toujours se poser la question de la plus-value. La plus-value, c'est quoi? C'est un impôt. C'est un impôt qui existe dès lors qu'il y a vente. Alors, pas systématiquement. Mais il faut savoir et prendre conseil auprès du notaire pour savoir si vous êtes redevable de cette plus-value. C'est un impôt qu'on paye sur le gain en capital. J'ai acquis un bien pour 150 000. Je le revends pour 200 000. Eh bien, j'ai spéculé, je fais une plus-value, 50 000 euros, entre 150 000 et 200 000 euros, eh bien, qui n'est pas interdit par la loi. Mais l'État veut sa part sur ce gain que vous faites. Et ce gain s'appelle, cet impôt s'appelle la plus-value, qui est un impôt qui est dû par le vendeur. Donc le notaire vous fait le calcul, hein, en règle générale. D'ailleurs, avant de mettre votre bien en vente, pensez à vous renseigner sur l'éventuelle plus-value. Il m'est arrivé déjà de recevoir des clients, promesses de vente quasiment ficelées, accords bien, bien ficelés, et j'informe le vendeur qu'il aura une plus-value de 30 000 euros,
et c'est la douche froide. D'accord ? Donc, dès que vous mettez votre bien en vente, n'hésitez pas à poser la question à votre notaire. Maître, aurais-je une plus-value à payer ? Pouvez-vous me la simuler, me donner le montant indicatif, ce qui évitera d'avoir des surprises. Parce que la plus-value, lorsqu'elle est due, il y a moyen d'y échapper. Avant, les clients déclaraient eux-mêmes leur plus-value dans leur revenu. Ils déclaraient ou pas d'ailleurs. Et bien pour parer à ceux qui ne déclaraient pas, depuis plusieurs années maintenant, c'est le notaire qui en est chargé. Et il doit faire ce calcul et cette retenue à la source sur le prix de vente. Donc le notaire calcule cet impôt et il fait la retenue sur le prix du vendeur pour le reverser au trésor public. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on va vous donner votre prix moins cette plus-value. Voilà. Donc c'est vraiment important avant même de signer même votre offre. Parce que vous avez une offre, c'est super, l'acquéreur vous fait un prix, mais c'est un pont d'or, génial, ben voilà, j'ai une super, je fais une super affaire, je vends mon bien, mais à un prix vraiment défiant toute concurrence. Je signe l'offre, je suis tellement content, ben oui, mais une fois que je me suis engagé, moi, vendeur, je peux difficilement retourner dessus. L'acquéreur, lui, il aura son délai de rétractation, comme on a vu tout à l'heure, mais moi, vendeur, j'ai... pas le que je vends. Deuxième motif d'exonération, c'est pour durée de détention. Alors, cette durée de détention a souvent varié dans notre arsenal juridique fiscal. C'était 15 ans, c'était 22 ans, aujourd'hui c'est 30 ans, détention dure. Donc, il faut attendre 30 ans, procéder le bien pendant 30 ans, pour pouvoir le revendre sans payer aucune plus-value à l'État. En dehors de ces deux cas, en règle générale, on paye souvent une plus-value. Oui. Hein? Ou alors, il y a d'autres petits cas où, en fait, je revends le bien parce que je n'ai pas été propriétaire de ma résidence principale depuis plus de 2 ans. Voilà, je revends et je sais que je vais remployer, c'est-à-dire que je vais réutiliser mon prix de vente intégralement à racheter un bien qui sera ma résidence principale. Là encore, je peux bénéficier de cette exonération. Mais il faut faire attention parce qu'il faut vraiment respecter, parce que sinon, ben, si finalement je n'achète pas ma résidence principale, j'achète bien un bien, mais je le mets en location, ben derrière, ben, je vais devoir payer la plus-value que je n'ai pas payée en amont. Bon, ben, là, on va reprendre donc, notre délégué à la communication, il va prendre ma place. Alors, juste pour les auditeurs, je leur dis quand même que la vente immobilière, c'est une matière où regorge quand même l'imposition. On a parlé de la plus-value, qui est un impôt payé par le vendeur, mais il y a un impôt aussi qui est payé par l'acquéreur, qu'on appelle le droit de mutation. Et lui, il y échappe très rarement. Donc le droit de mutation, le système considère qu'on a un bien immobilier qui mute, il change de propriétaire, eh bien c'est l'occasion pour l'État de percevoir cet impôt baptisé droit de mutation et dû par l'acquéreur. D'accord ? Qui d'ailleurs représente une des composantes essentielles dans ce qu'on appelle les frais d'acte. Parce que le notaire, il est aussi un collecteur d'impôts, ce que les gens ne savent pas souvent. Il reçoit un acte de vente. Lorsqu'il a appelé 16 000 euros auprès de l'acquéreur, parce que c'est toujours l'acquéreur, c'est souvent l'acquéreur qui paye les frais d'acte, lorsque vous versez 16 000 euros, eh ben, il y a au moins, je parle sous ton contrôle, il y a au moins 12 000 euros qui vont au fisc. Donc le client l'a bien versé au notaire, mais il le reverse au trésor public. Il y a à peu près 80% de taxes. Voilà. C'est comme ça qu'on peut résumer. C'est ça. Sur les frais de notaire en matière d'acquisition, c'est à peu près 80% de taxes. Et 20% effectivement qui reviennent. J'aime pas trop dire au notaire, à l'étude. Ben oui, oui. Ça revient à l'étude. Mais effectivement, il y a encore des personnes, de plus en plus rares, qui pensent dans leur esprit que frais de notaire, tout revient au notaire. Ah non. Donc c'est vrai que, et quand on est dans nos études face aux clients et qu'on arrive à cette partie de l'acte des droits de mutation, beaucoup sont surpris du montant des taxes. Tout à fait. Hein, on peut même détailler ces taxes, hein, dans un acte d'acquisition.
On a une taxe de 4,5% qui revient à la collectivité territoriale. On a une taxe de 1,2% qui revient à la commune du lieu de situation du bien. Vous avez une autre taxe qui sont des frais d'assiette pour l'État. Alors, ceux-ci sont calculés sur la première taxe. C'est-à-dire, c'est 2,37% de la première taxe de la CTM. Un impôt sur l'impôt. On a également une autre taxe qu'on appelle la contribution de sécurité immobilière. Hein, dans le temps, ça s'appelait salaire du conservateur des hypothèques, de 0,10%, et qui permet de mettre à jour tous les fichiers fonciers au niveau des hypothèques. À ça, vous ajoutez aussi la TVA, hein, parce que vous avez de la TVA. Et puis, on peut également ajouter des petits frais qu'on appelle les débours, c'est-à-dire que les sommes que nous, notaires, on va engager pour le compte du client. C'est ça. Hein, pour demander un état hypothécaire. État hypothécaire, voilà. Des choses comme ça. Donc voilà un petit peu comment se composent les frais de notaire. Alors, il y a un sujet qu'on pourrait aborder, qui est intéressant, parce qu'on parle souvent sur notre territoire de l'indivision, hein, la fameuse indivision. L'indivision, il faut savoir qu'elle n'est pas seulement successorale. Hein, on peut aussi se retrouver dans l'indivision lors d'un achat immobilier. Et Eric, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les précautions qu'il faut prendre quand on se retrouve à acheter un bien à plusieurs, un couple qui n'est pas marié ni paxé, qui décide d'acheter un bien à deux, quelles sont les précautions qu'il faut prendre? Alors, ça c'est une indivision volontaire, d'accord. Il y a l'indivision qui est subie, c'est les successions, d'accord. On subit un décès, donc on entre en indivision forcée. Et là, c'est une indivision qu'on a créée, qu'on a organisée, parce qu'on a voulu acheter volontairement ensemble un bien sans être marié. En l'occurrence, c'est ça l'hypothèse. Bon. Donc, première précaution à prendre, me semble-t-il, c'est de bien respecter la proportion d'acquisition et la proportion de financement. Quand vous achetez votre bien à deux, sans être ni marié en l'occurrence, vous pourrez dire au notaire, on achète. Mais dans quelle proportion? Est-ce que c'est moitié-moitié ou 80-20? Parce qu'il est possible aussi d'acheter à deux dans des proportions différentes. Ce qui est important de savoir, c'est que le financement soit respecté. Celui qui achète 80%, ben, il faut qu'il finance 80% du bien. Et celui qui achète 20%, qu'il finance effectivement les 20% du bien. Or, souvent, ce que l'on fait après avoir dit au notaire est différent. Très souvent, dans nos offices, on voit surgir des gens venir contester justement cette modalité d'acquisition à deux en disant, écoutez, maître, c'était écrit dans l'acte 50-50, mais c'est moi qui ai tout payé. Hein. D'accord ? Bon. Donc, il oublie de dire qu'ils se sont organisés différemment, parce que l'un a dit, je vais rembourser seul le bien. L'autre, il gère les courses, le quotidien, les enfants. Et puis, c'est souvent, quand il y a de l'eau dans le gaz, au moment d'une séparation, d'accord, on s'aime moins en général à ce moment-là, et on n'est plus regardant sur les comptes. Et donc, on vient voir le notaire pour dire, écoutez... Par amour, on peut faire des bêtises. On peut faire des bêtises. C'est ça, tu veux nous dire. On fait des bêtises chaque fois qu'on a dit quelque chose au notaire qu'il a écrit dans l'acte et qu'il est reparti chez soi, on a fait différemment. Il faut être très vigilant à ce niveau-là. Et justement, donc, par amour, on fait des bêtises. Et si on ne s'aime plus et qu'on souhaite se séparer, donc imaginons que nous ayons fait un achat ensemble, moitié-moitié, que nous ayons contracté un emprunt. Et puis, ça ne va plus, on souhaite se séparer. Et l'un des deux souhaite récupérer le bien. Donc, comment ça va se passer dans cette hypothèse où l'un des deux, et ça nous arrive souvent, c'est fréquent, hein, où l'un des deux souhaite devenir seul propriétaire du bien? Alors, on va voir son notaire qui va tout expliquer. Donc, la marche à suivre est la suivante. Tout d'abord, il y a le notaire fait des calculs. D'accord ? Il va considérer la valeur du bien actuel. Et puis, souvent, il y a un prêt en cours. Donc, il va regarder le solde du prêt et restant dû. Donc, il fera les calculs et qui permettra d'une part à celui qui veut récupérer le bien de reprendre seul à sa charge tout le prêt. Parce que désormais, le prêt qui se payait à deux, si on le reprend, les charges du prêt sont assumées par un seul désormais. Et en plus, celui qui récupère le bien doit verser à l'autre partie qui s'en va une compensation qu'on appelle une soult. Donc, la soult, c'est la part qui revient à celui qui sort de l'indivision. C'est son dédommagement, si on veut, ou alors son prix. D'accord ? Et donc, cette sortie d'indivision est parfaitement organisée par un acte de liquidation. Hein, c'est un acte de partage. Hein. Liquidation et partage. C'est un acte de partage. Hein, et comment ça se passe ? On a parlé tout à l'heure du prêt. Effectivement, l'un peut reprendre le prêt à sa charge, mais
Comment ça se passe pour l'autre? Parce qu'au départ, il était un petit peu engagé dans le prêt. Donc, Ça, c'est l'éternel problème. D'accord? Quand on fait un prêt, on est solidaire. Alors, souvent, le client qui vient nous voir, on les met en garde en leur disant, écoutez, vous allez sortir du système, vous allez récupérer votre soulte, mais n'oubliez pas qu'une fois sorti, si vous ne faites aucune autre démarche, vous pourrez toujours, 5 ans, 6 ans après être sorti de l'indivision, après avoir vendu vos droits à votre partenaire, vous pourrez toujours être inquiété par le banquier si l'autre cesse de rembourser le prêt. Alors comment éviter ça, justement? Alors, c'est un peu difficile. Alors, la seule manière, je vois deux manières. Tout d'abord, il faut aller voir le banquier pour demander une désolidarisation. Ça, ce qui signifie, ce qui supposera forcément que celui qui veut reprendre le prêt ait les moyens de le rembourser. Tout à fait. Hein, que ses revenus couvrent le taux d'endettement, etc. Que ça passe. D'une part, mais d'autre part, que le banquier le veuille. Parce que le banquier, il a deux têtes comme garantie. Il n'est pas obligé d'avoir qu'une seule tête. Donc, il peut, et 9 fois sur 10... Ah, lui, ça l'arrange d'avoir deux débiteurs. Hein. Voilà. Donc, le plus souvent, la réponse, elle est négative. Donc, on informe le client. Nous mettons dans l'acte de partage que le notaire fait son travail correctement. Il a informé le client, celui qui sort, qu'il pouvait toujours être inquiété par le créancier. L'autre manière de ne pas être embêté, ce serait de faire un rachat de crédit. D'accord ? Là encore, de quoi s'agit-il? Celui qui récupère le bien, il fait un nouveau prêt, à la fois pour solder le premier crédit et pour payer la soulte à celui qui est sorti. Et de cette manière, c'est lui seul qui a contracté le nouveau prêt, et donc c'est lui seul qui reste débiteur vis-à-vis du banquier. Mais ce n'est pas toujours aisé de faire un rachat de crédit. Donc le plus souvent... En général, celui qui souhaite justement récupérer le bien, payer le crédit... Il va devoir faire un crédit non seulement pour rembourser le premier crédit, mais certainement aussi pour payer la soulte. C'est ça. Et payer les frais. Donc, en plus, avec les taux qui augmentent actuellement, ce n'est pas évident. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'avant, les taux étaient à la baisse. Donc, c'était intéressant de faire des rachats de crédit. C'était avantageux. Mais aujourd'hui, faire un rachat de crédit, ça veut dire qu'on aura un taux supérieur au premier prêt qu'on avait déjà obtenu. Donc, c'est moins intéressant depuis un an ou deux de faire ces rachats de crédit. Et puis ce qu'on peut dire aussi aux personnes qui se retrouvent dans ce type de situation, hein, je reprends la situation, on ne s'aime plus, on a acheté ensemble, parfois la meilleure solution que vous avez, c'est de vous entendre pour revendre le bien immobilier, solder le crédit au moment de la vente, percevoir chacun votre quote-part du solde qui va rester du prix, et puis repartir chacun, refaire sa vie de son côté. Quand vraiment on ne peut pas, on a cette solution-là. Alors le pire à éviter, ça serait qu'effectivement un des deux quitte le bien, l'autre reste dans le bien, celui qui a quitté se mette à ne plus payer le crédit, celui qui reste soit redevable envers celui qui a quitté, parce qu'on est dans une indivision, si un seul occupe le bien, il va devoir une indemnité d'occupation à l'autre, enfin se retrouver dans une situation difficile où le crédit ne serait plus remboursé. Et on risquerait de perdre tout au final, puisqu'on se retrouve avec un bien qui pourrait être saisi. Et ça, c'est la pire des solutions, parce que vous n'y gagnez rien dans cette situation-là. Tout à fait. Alors, on a parlé des gens qui ne s'aimaient plus, hein, et qui faisaient des sorties de division, mais il y a encore des gens qui s'aiment. Oui, heureusement. Et qui achètent ensemble. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on a acheté ensemble un bien, sans être marié, vous demeurez, vis-à-vis de la loi, deux étrangers. Et donc, en cas de décès de l'un ou de l'autre, il n'y a pas d'action réciproque. Et pourtant, c'est ce que les clients veulent. Parce que très souvent, quand ils achètent comme ça, donc qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Parce qu'ils veulent justement se dire, on a acheté ensemble, et ils nous disent, maître, si jamais l'un de nous deux décède, on voudrait que l'autre bénéficie. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur proposer dans ce genre de situation? Alors, dans ce genre de situation, ce qu'on propose le plus souvent, c'est soit un testament. D'accord ? Un testament qui permettrait de dire que si je décède, ma quote-part dans le bien ira à celui avec qui je l'ai acquis. Mais dans ce cas-là, c'est lourdement taxé, non ? Alors, on a réussi, sur le plan civil, effectivement, à satisfaire le client, mais sur le plan fiscal, c'est une catastrophe, puisqu'il sera taxé à 60%. D'accord ? Bon. Donc, la solution qui pourrait être préconisée pourrait être un achat en SCI. D'accord ? On pourrait peut-être aussi leur proposer de se paxer. Alors, oui, mais on ne se paxe pas forcément que pour cette considération matérielle. Donc, c'est vrai que... Ou se marier, si j'aime tellement. Ou se marier, ça c'est le summum.
D'accord ? Dans ce cas-là, il n'y aurait plus de droit de succession à payer. Donc, donc c'est vrai que ce qu'il faut retenir, c'est que pour éviter de demeurer deux étrangers l'un vis-à-vis de l'autre, les deux solutions qui s'offrent à vous, c'est ou un pax, à minima, ou le summum qui est le mariage. Parce que paxé et marié bénéficient aujourd'hui en droit fiscal d'une exonération en matière d'impôt sur l'héritage. Pour le pax, à condition d'avoir fait un testament. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Autant en mariage, ça se fait automatiquement. Autant lorsqu'on est paxé, il faut en plus penser mettre en place un testament. Toujours sous les conseils du notaire pour la rédaction. Alors je t'ai entendu aborder un point qui est très important. Quand on veut organiser un achat comme ça dans l'indivision, on peut effectivement avoir recours à une société civile immobilière et dont l'objet principal, c'est justement de gérer cette indivision, puisque ce sera la SCI qui deviendra propriétaire. Ce ne seront plus les personnes qui achètent, ça sera vraiment la SCI. Exactement. Comment ça se passe, ce genre d'acquisition, en constituant une SCI, une société civile immobilière ? Alors, une SCI, c'est un moyen de gestion. C'est un outil de gestion entre deux personnes qui, au lieu d'être juxtaposées et d'être dans l'indivision, vont mettre en place une nouvelle personne, qu'on appelle une personne morale, qui fera l'acquisition. Donc, cette personne morale, elle est composée de personnes qu'on appelle des associés. Et ce ne sont plus les associés qui acquièrent le bien, mais c'est une société. Et donc voilà que ce ne sont plus les associés qui vont faire le prêt pour acquérir le bien, mais désormais la SCI. Donc la SCI a son propre financement, elle a obtenu son prêt, et elle rembourse son crédit à l'aide des loyers qu'elle engrange. Et l'avantage essentiel de cette SCI, c'est qu'on n'est plus soumis aux aléas de l'indivision avec une personne qui décède, puisque les sociétés sont censées nous survivre. D'accord ? Lorsqu'un associé est décédé dans une société, la société, elle n'est pas décédée, elle n'est pas morte. Elle se poursuit, et généralement, elle se fait pour 99 ans, qui est la durée maximale. Donc, on peut ainsi pérenniser le bien et assumer une certaine sécurité, stabilité dans la gestion du patrimoine. Et puis, aussi, on se met en société parce qu'à plusieurs, on est plus fort à plusieurs que tout seul juxtaposé. Et la société, c'est un outil juridique qui permet justement d'organiser tout cela. Alors on parlait justement du décès d'un associé. Alors, un associé dans une société, il a des parts sociales, chacun a des parts sociales. Que deviennent ces parts sociales lorsque justement l'un des deux associés, en l'occurrence là notre petit couple, décède? Que se passe-t-il? Ces parts sociales deviennent quoi? Alors, celui qui est décédé, au lieu d'être propriétaire de la maison, d'une moitié de la maison, il est propriétaire de parts sociales. Donc en règle générale, ces parts sociales sont transmises à ses héritiers. Alors, il faut bien lire les statuts, parce qu'on peut avoir des statuts aussi qui mettent des agréments, des clauses d'agrément particulières, mais en règle générale, lorsque l'associé décède, il n'y a pas de perturbation au niveau du fonctionnement de la société, ça c'est très important déjà de le souligner, et les parts sociales de celui qui est décédé sont transmises aux héritiers. Donc après, c'est un petit peu technique, mais ça nécessite des mises à jour de statut pour constater que la société, il n'y a plus deux associés, mais l'associé d'origine plus les héritiers de celui qui est décédé. Mais voilà. On en revient un petit peu au conseil de tout à l'heure. C'est-à-dire que là, ce sont des parts sociales, ce qui signifie que si je décide de laisser ces parts sociales à mon partenaire, ça va supporter également une taxation à 60%. Ah oui. Donc là, on en arrive au même conseil que tout à l'heure, c'est-à-dire pour éviter cette taxation à 60%, être, sans forcer les gens, mais être marié ou être paxé à minima pour éviter cette taxation. Bon, après, la vie peut évoluer parce qu'on peut aussi avoir des enfants. Hein, et puis que nos enfants héritent avec les conditions que l'on a vues tout à l'heure. On voit un petit peu... On a vu un petit peu différentes formes. Donc là, on voit un petit peu comment ça se passe. L'achat à deux, ça aussi, l'achat à deux, quand on n'est ni marié ni paxé, rapprochez-vous de votre notaire avant la promesse de vente, un petit rendez-vous de conseil pour dire, voilà, on est dans cette situation, comment on peut acquérir, dans quelles conditions, dans quelles proportions. C'est très important pour éviter des déconvenus, justement, des déconvenus en cas de séparation. Alors, on a parlé de l'acquisition à deux, d'accord ? Mais on pourrait aussi peut-être toucher deux mots, parce que ça arrive assez fréquemment aussi. On a acheté à deux et puis on se sépare. Mais on n'est pas encore divorcé, qu'on veut déjà acquérir à nouveau. Ah oui, l'acquisition en instance de divorce. C'est le problème de l'acquisition pendant l'instant, qui est une opération hautement risquée,
pour d'abord les parties. Pourquoi c'est risqué? Parce qu'on veut repartir, refaire sa vie, alors qu'on n'est pas encore divorcé, on est toujours marié en communauté. Donc celui parce que ça concerne surtout les gens en communauté. Ça, hein? Tout à fait, tout à fait. Ce qui est le cas de la plupart de nos concitoyens, qui sont d'abord, qui sont mariés pour la plupart en communauté. Ils n'ont pas fait de contrat de mariage. Donc je suis marié en communauté, je divorce, donc je ne suis pas encore divorcé, je suis en instance de divorce. Vous savez que le divorce, ça demande un certain temps. Et j'ai trouvé un autre bien, je veux l'acquérir. Problème, n'étant pas encore divorcé, si je l'achète de suite, eh bien ce bien risque de tomber en communauté. Et même en allant voir le notaire, pour cette fois-ci, il ne pourra pas vous garantir que le bien que vous allez acquérir restera propre à vous. Pourquoi ? Parce que si votre mariage venait être dissous, non par le divorce, mais par un décès, ce sont des choses de la vie, d'accord ? Eh bien, communauté dissoute par un décès fait que la communauté a perduré et donc le bien risquerait de tomber en communauté, ce qui est l'inverse de ce qu'avait souhaité l'époux qui voulait acquérir. Donc, il y a des précautions à prendre. D'abord, le notaire vous informe pour vous dire qu'il ne peut pas vous garantir que ce bien restera propre à vous. Et il faut aussi prendre des précautions à l'occasion du divorce pour faire remonter les effets du divorce au moins à une date antérieure. Le plus souvent, on fait remonter les effets du divorce à l'assignation en divorce ou à l'ONC qui est obtenue. Et entre les époux, eh bien, comme le divorce va remonter à une date antérieure à la date de l'acquisition, eh bien, le bien pourra rester propre à celui qui l'a acquis. Mais vous comprenez bien dans mon raisonnement que ce n'est que in fine, divorce prononcé, vous serez assuré. Si finalement les gens ne divorcent pas. S'ils ne divorcent pas, eh bien, le bien entrera en communauté. Voilà, l'époux qui l'a acheté ne pourra pas dire que c'est son bien personnel. Donc c'est bien pour ça que je dis que c'est in fine, c'est-à-dire divorce prononcé, que vous serez garanti que le bien reste propre à vous. C'est ça. Quelqu'un posait une question tout à l'heure, plusieurs questions. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur la SCI. Hein. Et on a des questions, notamment dans une SCI, est-ce que je peux y mettre mes enfants mineurs, d'une part, et puis surtout, si mes enfants eux-mêmes viennent plus tard avoir des enfants, est-ce que mes petits-enfants peuvent aussi faire partie de la SCI? Donc la première question, on va dire. Est-ce que dans une SCI, il peut y avoir des enfants mineurs? Et comment, après, en inclure par la suite, au fil des années, hein, plus tard, mes petits-enfants, etc., ajouter des personnes dans cette SCI? Alors, pour ce qui me concerne, j'ai toujours déconseillé de faire entrer des enfants mineurs dans les SCI. Surtout quand il y a un prêt bancaire. Pourquoi? Justement. Voilà. Parce que dans les SCI, on est responsable indéfiniment des dettes. Et donc, c'est bien beau de voir qu'on fera l'enfant bénéficier d'un immeuble, d'une maison, etc. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est qu'on met sur sa tête aussi une dette et le prêt bancaire. Or, il faut protéger les enfants. Et donc, en les faisant entrer dans les sociétés, on met sur leur tête une dette, ce qui n'est en aucune manière un moyen de les protéger. Donc, moi, mon conseil, pas d'enfants mineurs dans les SCI. D'ailleurs, on ne les met pas dans les sociétés commerciales. Non, mais dans les SCI, je suis entièrement d'accord. Dès lors qu'il y a un financement, un prêt, pas de mineurs, on attend que les enfants soient majeurs pour transmettre des parts. La SCI, elle vit. Comme tu disais tout à l'heure, une SCI, ça vit. Ça signifie que, au cours de la SCI, il y a des associés qui peuvent se retirer, céder leur part, ou on peut intégrer de nouveaux associés. C'est souvent un outil aussi, la SCI, très important. Tu parlais tout à l'heure des donations partage. La SCI, c'est un outil également de transmission. Je peux acquérir mon bien, les parents achètent un bien, un immeuble, plusieurs logements. Justement, ils veulent que ça soit dans une SCI pour pas que l'immeuble puisse se retrouver en difficulté en cas de succession, d'indivision. Et puis, les parents décident un beau jour, à la soixantaine par exemple, de dire, tiens, on va transmettre et partager nos parts entre nos enfants. C'est ça. Donc on va leur faire une donation de parts sociales. On pourra même en garder la jouissance de ces parts sociales. Si nous, on veut garder tous les revenus de ces six appartements, on va pouvoir les transmettre à nos enfants, en garder la jouissance. Donc c'est vraiment un outil important. Alors, est-ce que tu peux nous dire justement, par exemple, le cas de parents qui ont divers biens immobiliers et puis qui se disent, pour faciliter cette gestion d'une indivision éventuelle,
on voudrait mettre tous ces biens-là dans une SCI. Est-ce que tu peux, parce qu'on a ces questions-là, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe si je veux mettre mes biens dans une SCI pour les transmettre par la suite? Oui, dans l'exemple que tu viens de citer, la SCI est un excellent outil, puisque on a vu tout à l'heure que l'indivision présentait des inconvénients. L'indivision, il faut l'accord unanime. Pour chaque chose que l'on veut décider, il faut toujours un accord unanime. Eh bien, la SCI sera une enveloppe, un moyen de gestion de ce patrimoine. Alors, qui certes va au départ nécessiter que le parent propriétaire des biens immobiliers, il faut apporter le bien à la société. Donc, seul un notaire encore, ici, peut faire l'opération. D'accord ? Donc, on va voir son notaire qui effectue toutes les formalités qui s'imposent. C'est un peu comme une vente, hein, l'apport à la société. Sauf que quand vous vendez un bien, vous recevez en contrepartie un prix de vente qui va sur votre compte en banque. Et quand vous apportez un bien en société, il n'y a pas de prix de vente, mais vous recevez en contrepartie des parts sociales. Donc le parent propriétaire du bien, il perd la propriété de sa maison, de son terrain, mais en contrepartie, il recevra les parts sociales. D'ailleurs, on a évoqué tout à l'heure la problématique des plus-values en cas de vente. On la retrouve aussi en matière d'apport de biens à la SCI. Sauf que quand je vends mon bien, j'ai le prix, ce qu'elle nous a peut prélever la plus-value, l'impôt sur plus-value, pour le payer à l'État. Quand j'apporte mon bien à la société, je n'ai pas d'argent qui circule. Donc si j'ai une plus-value à payer à l'occasion de l'apport, je devrais en plus mettre la main à la poche pour payer cette plus-value. Nous sommes d'accord. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle aussi, lorsqu'on fait un apport à une société, on doit se poser ces questions-là. Voilà. Ces questions de plus-value. Et puis, il y a une autre question aussi qui pose. Parce qu'un apport, c'est comme une vente à la SCI. Donc on va revenir aux formalités dont on parlait au tout début de l'intervention. L'apport à la SCI, ça va nécessiter, si on est dans une zone du droit de préemption d'une commune, de purger ce droit de préemption. Absolument. Donc faites très attention, notamment, puisque moi j'ai eu le cas une fois d'une personne qui m'a demandé de faire un apport à une SCI, et cette personne a oublié de me dire que la mairie, ça faisait 10 ans qu'elle était intéressée par sa maison. Ah. Donc en faisant cet apport à la SCI, eh ben, on a offert la maison à la mairie. Tout à fait. Hein, parce que la mairie ne rêvait que de ça, d'avoir l'occasion de pouvoir acquérir ce bien. Et bien dans ce cas-là, les enfants n'auront plus de part sociale, mais ils auront un prix de vente. Voilà. Bon, en l'occurrence, j'avais pris le soin de mettre que la maison était occupée. Donc, la mairie, ça n'intéressait pas d'avoir le bien occupé, mais heureusement que j'avais pris soin de mettre ça dans les conditions. Et puis la mairie a fini par renoncer à son acquisition. Donc il faut vraiment... Il faut pas que le client nous cache des choses. D'ailleurs, hein? Sébastien, les mêmes formalités évoquées tout à l'heure en matière de vente s'appliquent aussi en matière d'apport. Hein. Généralement, on fournit aussi tous les diagnostics. Hein. Amiante, termites, électricité, droit de préemption, etc. Donc tous ces diagnostics, toutes ces précautions sont à effectuer préalablement à l'apport à la société. Hein. Bon. Et puis... On a la fâcheuse habitude ici à la Martinique d'avoir des SCI et puis c'est terminé. Non. Quand on a une société, il y a des règles de fonctionnement. D'accord ? Donc chaque année, on convoque une assemblée générale des associés. On les convoque, on tient l'assemblée générale et on fait un bilan. D'accord ? Très peu de gens font ça en matière de société. Combien de clients je reçois ? Je demande où sont les bilans des SCI, de vos SCI. Ils me disent, mais quoi ? Ah ben, il faudrait au moins qu'il y ait une assemblée générale annuelle au moins. Qui indique un petit peu comme un bilan. Parce qu'on n'est pas obligé pour une SCI familiale, impôt sur le revenu, d'avoir une comptabilité comme une société. Il faut un minimum. Un impôt. Mais il faut un minimum qui statue à chaque fin d'année sur ce que l'on a encaissé, hein, les loyers par exemple, ce que l'on a payé. Et puis, ce qui nous reste. Ce qui nous reste est ce qu'on décide de faire avec ce reste-là. Ou bien on le laisse... On peut le laisser sur le compte de la société, faire des travaux, etc. Et on distribue, voilà. Ou bien on le distribue en proportion du nombre de parts sociales aux associés. Mais c'est vrai, c'est pas très lourd hein, pour une SCI comme ça familiale, mais au minimum, faire une délibération annuelle qui statue un petit peu sur le bilan de l'activité de la société. C'est ça. Donc ça reste quand même un outil... Un outil de transmission. De transmission. Hein, assez idéal. Mais qu'il faut monter avec beaucoup d'attention parce qu'il y a quand même des clauses en termes de rédaction, de pouvoir du gérant, nomination du gérant, transmission des parts. Alors, c'est là où intervient tout le génie du notaire qui donne conseil au client sur la manière de rédiger telle ou telle clause. Ça arrive aussi. Alors, vous faites une SCI à l'origine. On est papa et maman. Ensuite, on fait entrer des enfants. Donc on a déjà des générations différentes qui sont des associés. Et puis après, on a des petits-enfants. Et donc, parfois, même en SCI, à force d'avoir plusieurs
associés, mais de générations différentes. Qui dit génération différente dit qu'on a des points de vue différents. Or, il faut quand même une vision commune pour l'orientation de la société, même s'il y a un gérant. Mais les décisions sont prises quand même, il faut une vision commune. Et il arrive aussi que parfois, on ait des quelques petites frictions entre associés parce qu'on a des divergences de vues. On a beaucoup d'associés qui sont rentrés, des générations différentes. Ça peut aussi se produire, ça peut aussi arriver. Alors, on n'arrive pas au point de blocage qu'on retrouvera en indivision. La société fonctionne toujours. Il y a un gérant qui fait son travail. Ce qui peut poser problème, parce qu'on peut soulever des problèmes, c'est, et moi, un conseil que je donne, c'est de ne pas mettre un gérant unique, notamment quand vous commencez à faire rentrer des enfants, puisque le problème se pose quand, par exemple, on a le décès du gérant, qui était un gérant unique. C'est ça. Alors, et là, il faut s'entendre pour la nomination d'un nouveau gérant. Donc moi, ce que je conseille souvent aux familles, c'est ben, papa, maman, vous êtes gérant, mais une fois que vous commencez à faire rentrer vos enfants, mettez l'enfant sur lequel vous avez, entre guillemets, le plus de confiance, celui qui sera le plus à même de gérer la société, nommez-le co-gérant, de manière à ce que, ben, en cas de décès des gérants, des parents, ben, la société continue à fonctionner. C'est vrai. Elle ne soit pas bloquée. On a tous rencontré des cas, effectivement. Ah, les cas de blocage de... Les cas de blocage parce que le gérant est décédé et qu'on n'a pas nommé le nouveau gérant, etc. Et la société est un peu paralysée. C'est vrai que ça arrive. Donc, comme tu viens de dire, Sébastien, le moyen pourrait être, effectivement, de faire nommer au moins deux gérants, qu'on appelle des co-gérants. Comme ça, en cas de décès de l'un, eh ben, l'autre peut toujours faire fonctionner la machine. Voilà. Et moi, j'aurais tendance à dire, c'est pas pour défendre, entre guillemets, notre crèmerie, mais le conseil du notaire en matière de SCI, il est extrêmement important. N'allez pas vous jeter systématiquement sur des sites internet qui vous proposent des SCI vite fait, bien fait, que vous nous amenez après chez nous, et ben, qui ne correspondent pas du tout à vos volontés profondes. Aux attentes de la famille. Pas du tout. Aux attentes de la famille. Pas du tout, mais vous avez vu une offre sur une SCI par internet, ça va vite, les statuts sont faits en deux secondes, et ils ne sont pas forcément adaptés à ce que vous souhaitez. Alors qu'en discutant avec le notaire, vous allez avoir une SCI qui sera sur mesure. C'est ça, parce que le notaire, il a cet avantage. C'est qu'il connaît parfaitement l'immobilier et il connaît aussi bien la famille, le droit de la famille. Donc c'est le partenaire idéal pour à qui confier ses projets et obtenir auprès de lui les meilleurs conseils qui soient pour faire aboutir vos projets, soit en indivision, soit via des sociétés. Quel est le coût pour créer une SCI quand on passe chez un notaire? Alors, il faut d'abord dire, alors si on fait un apport immobilier, c'est tarifé, d'accord? Il y a un tarif prévu pour ça. Alors, exactement. Il faut savoir. Comme la majorité des actes chez les notaires. Il faut savoir que le notaire, il est rémunéré à l'acte, mais pas librement, d'accord? Sa rémunération, elle est fixée par l'État. Donc c'est l'État qui fixe le tarif pour chaque opération que l'on fait. Donc le notaire, il perçoit une rémunération qui est toujours assise sur les actifs exprimés. Quand je fais une vente, la rémunération du notaire, elle est assise sur le prix de vente. Lorsque l'on règle une succession, la rémunération du notaire, elle est assise sur l'actif de la succession. D'accord ? Et lorsque je fais un apport immobilier, eh bien, la rémunération aussi, elle sera assise sur le montant de l'apport immobilier. C'est réglementaire. Donc, tout dépend de la valeur de l'immeuble que l'on apporte. Alors, tout dépend. Donc, comme on disait tout à l'heure, donc, il y a un tarif dès lors que qu'il y a un apport immobilier. Et s'il n'y a pas d'apport immobilier, donc, c'est soumis à ce qu'on appelle un honoraire. Donc, chez les notaires, tout ce qui n'est pas tarifé et qui est très rare, c'est soumis à un honoraire. Donc, dans une constitution de société, outre cet honoraire que vous allez négocier directement avec votre notaire, parce que sur ce point, il est libre, ben vous devrez ajouter, il faut y penser, le coût d'une annonce légale dans un journal, c'est ça. Les frais du greffe. Donc l'annonce légale, on va dire que c'est entre 250... 300 euros en moyenne. Ouais, voilà, entre 200 et 300 euros. Les frais du greffe pour la SCI, c'est une petite centaine d'euros. Et après, vous y ajouterez effectivement l'honoraire du notaire qui va rédiger pour vous les statuts, les signer avec vous, puis effectuer ensuite toutes les formalités afin que vous puissiez être en possession d'une société immatriculée et avoir un extrait CABIS. Alors, je reviens juste sur une question, Eric, là, d'une personne qui nous regarde. Je crée une SCI. On me demande est-ce que les biens peuvent être apportés directement sans qu'on ait besoin de les vendre à la société ?
Alors, elle pose la question de la vente, effectivement. Je suis propriétaire de ma société. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de l'apport immobilier. Non, c'est pour l'apport des biens. Voilà, c'est justement, là, en fait, la question qui est posée, tu y as répondu tout à l'heure. C'est-à-dire que je peux apporter mes biens, oui, ou la société peut en acheter. Je peux les vendre, même mes biens personnels, alors, je peux les vendre. Je peux aussi être propriétaire de mon immeuble et décider de le vendre à ma SCI. D'accord ? On appelle ça dans le jargon la vente à soi-même. D'accord ? Qui est un excellent outil, d'ailleurs, de refinancement pour soi-même. D'accord ? Vous êtes en difficulté. J'ai un immeuble qui vaut 300 000 euros, je suis en passe difficile. J'ai mon immeuble qui est parfaitement loué. Je vais voir mon banquier, je lui demande s'il est prêt à m'accompagner pour un prêt bancaire, d'accord ? Parce que je souhaite vendre mon immeuble à ma société. Eh bien, je vends, ma société fait un nouveau prêt, elle fait un prêt tout court. Moi, vendeur, j'encaisse mon prix de vente qui me permet de payer mes dettes. Et voilà que la société, autre personne morale, repart avec un nouveau prêt qu'elle rembourse avec les loyers qu'elle engrange. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, posséder un immeuble et avoir une société peut être un excellent moyen de se refinancer. On est d'accord ? À condition d'avoir effectivement un établissement bancaire qui accepte de suivre cette opération. Et d'avoir des revenus, une société avec des revenus. Voilà, c'est pas pour ça que tu parlais de biens qui étaient loués. Si la société a des revenus, effectivement, le montage est envisageable et peut effectivement être extrêmement... Mais on le pratique assez régulièrement dans nos offices. Hein, ça arrive qu'on mette sur notre opération. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Hein, voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions ? On nous dit qu'il nous reste un tout petit quart d'heure. Alors, quels sont les sujets que nous n'aurions pas abordés concernant le logement ? La tontine, quelqu'un nous pose une question sur la tontine. Hein, la tontine, c'est quelque chose d'extrêmement particulier pour acquérir un bien immobilier. On est deux, on décide de réaliser un achat en tontine. C'est ça. C'est celui qui, on va dire, c'est celui qui va survivre, qui sera considéré comme le propriétaire depuis l'origine. Et effectivement, cette tontine, alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a une fiscalité extrêmement particulière. Tout à fait, oui. En matière de tontine. Tontine, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Donc ça peut même se faire sur des parts de société. Hein, on peut avoir des parts de société en tontine. Oui. Alors c'est vrai qu'on le pratique assez rarement, mais c'est un outil qui existe, c'est un moyen d'acquérir ensemble. Alors, faut-il le conseiller à des gens qui ont des enfants ? J'aurais tendance à dire non. Non, et souvent, puis... on l'avait pratiqué entre deux personnes qui étaient étrangères vis-à-vis d'elles, donc ni mariées, ni paxées. Et qui n'ont pas de descendants. Qui n'ont pas de descendants. Donc effectivement, ça peut être un moyen de transmission aussi, puisque le bien reviendra au final... aux survivants. Alors là aussi, attention, pas d'hypothèse morbide, on va attenter à la vie de l'autre pour le survivre et récupérer le bien. Surtout, on parlait, c'est souvent pour des gens qui n'ont pas d'enfants, ne pas utiliser la tonte, quand on a des enfants, ne pas l'utiliser frauduleusement, la tontine, pour... Parce que le fisc y veille. Voilà. Et puis surtout, il ne faut pas que ça soit un outil pour déshériter ses enfants. Tout à fait. Hein, volontaire, avec un esprit, je constitue une tontine pour dire mes enfants n'auront rien. Moi, je fais une tontine avec quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que moi. Moi, je suis âgé, je veux que mes enfants ils aient rien. Je fais une tontine, je suis sûr de partir avant. Et puis que la personne avec qui j'ai fait la tontine, c'est elle qui aura les biens. C'est la raison pour laquelle les notaires, qui sont en général des personnages assez sages, le déconseillent aux personnes qui ont des enfants. Alors, pour revenir sur le thème du jour, sur le logement... peut-être dire deux mots aussi à ceux qui rêvent. Qu'est-ce qui fait rêver ? Ce qui fait rêver, c'est d'avoir son terrain nu et de construire sa maison. D'accord ? On construit la maison de ses rêves, bien, ce n'est plus donné à tout le monde aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de terrain à Martinique. Bon. Donc, pour construire, il faut obtenir son permis de construire. D'accord ? On a vu beaucoup de gens dans le passé construire sur des terrains qui n'étaient pas à eux. D'accord ? Donc, d'abord, commencez par avoir un titre. Hein. On est en 2023, il n'y a plus personne aujourd'hui qui ici doivent construire sans avoir un titre. On voit son notaire et puis on a un titre. Vous ne dites pas surtout à vos enfants, mon petit chéri, construis ici, prends un petit placement là. Et donc quand on construit, on a son titre, mais surtout on a un permis de construire. Parce que l'acte de construction, il est autorisé, il est soumis à un contrôle de la collectivité. Donc on fait une demande en mairie, elle vous délivre un permis de construire, d'accord ? Parce que vous respectez des règles d'urbanisme. Alors, l'acte de construction est très
complexe. Vous voyez votre banquier qui vous finance. Et l'acte de construction est complexe, disais-je, et fait intervenir plusieurs corps de métier. Quand on construit une maison, on a l'électricien qui intervient, le plombier, le peintre, le maçon, etc. Bon, la maison se construit et puis on vous la livre. Et voilà que vous l'ayant livrée, surgit un désordre. Et un désordre tel qui va rendre la maison impropre à ce pourquoi on l'a construite, c'est-à-dire son habitabilité, son habitation. Bon. Alors sachez qu'il existe des assurances. Aujourd'hui elles sont obligatoires. Hein. Il n'y a plus aucun banquier qui débloque un prêt s'il n'existe pas une assurance dommage-ouvrage. D'accord ? On est d'accord ? Donc l'assurance dommage-ouvrage, c'est une assurance qui vient garantir votre bien pendant 10 ans à compter de sa construction contre tout dommage qui pourrait survenir. Précisément, son rôle, c'est de payer. Il existe un dommage avant même d'aller rechercher qui est le responsable, parce que souvent, en la matière, lorsqu'il y a un désordre, les différents corps de métier sont renvoyés à la balle. D'accord ? Le plombier disant « mais moi, j'ai bien fait mon installation, c'est le maçon qui est passé d'hier, qui a mal travaillé, qui a gâché mon travail. » Et chaque corps de métier se renvoie à la balle. Eh bien, l'assurance dommage-ouvrage a ceci pour vertu. Il y a dommage, sans savoir qui est responsable, elle paye, c'est son rôle. Ensuite, elle investigue et les différents corps de métier intervenus ont aussi leur assurance. Ce sont les décennales. Et ensuite, ces assurances se retournent contre le corps de métier identifié comme étant à l'origine du problème. Bon. Donc, on a vu le permis de construire. Alors, le permis de construire, il faut dire aussi qu'il faut le purger du recours des tiers. Très peu de gens le savent. J'ai un permis. Toute autorisation donnée en droit français peut être attaquée. Quand vous gagnez un procès en première instance, il peut être attaqué en appel ou en cassation. Et bien, c'est pareil. J'ai mon permis. Il peut être attaqué par mon voisin, par quiconque a un intérêt à faire valoir. Alors, et donc, dans quel délai on peut attaquer ce permis ? Alors, il faut surtout empêcher qu'il soit attaqué. Donc, le conseil à donner à ceux qui nous écoutent, c'est de leur dire, dès que vous avez un permis, faites ce qu'on appelle la purge du recours des tiers, qui consiste à prendre un huissier, en règle générale, et à faire un constat, établir qu'on a affiché l'obtention du permis et sur le terrain, et en mairie. Et un conseil qu'on peut donner aussi, parce que souvent le permis s'obtient entre une promesse de vente et la vente, et on voit trop souvent d'acquéreurs venir à la vente en nous disant « Ah non, j'ai pas osé, je suis pas encore propriétaire du terrain ». Surtout pas, comme le disait Eric tout à l'heure, dès que vous avez votre permis de construire, vous procédez à cet affichage, ce qui vous permettra d'arriver au moment de la vente avec un permis qui est définitif. Définitif. Et qui est inattaqué. Alors ça vous coûte quelques centaines d'euros, mais vu les enjeux en cause, je vois que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Hein. Non, on ne peut pas se permettre de prendre un risque. Bon. Et puis pour en venir à tous ces éléments, quand on construit une maison, il est impensable, si un jour vous revendez votre maison, 5-6 ans après, que vous puissiez nous dire à nous notaires « Ah, j'ai plus le permis, j'ai perdu, j'ai pas les garanties ». Quand vous construisez votre logement, surtout souvent c'est le premier, c'est celui parfois d'une vie, vous devez tout conserver, mais tout. On ne jette rien. Voilà. C'est le permis de construire, la déclaration d'ouverture du chantier. Et les factures. La déclaration d'achèvement de travaux, l'attestation... De conformité. De non-contestation de la conformité. Comme disait Eric, toutes les factures, vous conservez tout. Les garanties décennales, tu parlais tout à l'heure de toutes les garanties décennales par corps de métier. Carreleur, plombier, gros œuvres, toiture, charpe. Vous conservez toutes vos garanties décennales, toutes vos factures. C'est l'histoire de la maison. Voilà, tout à fait. Mais aussi et c'est rassurant pour un acheteur. Mais aussi pour des raisons fiscales. Lorsque vous revendrez votre bien... qui ne sera plus votre résidence principale, et qu'on vous dira qu'il y a une plus-value à payer, parce que j'ai acheté un terrain, 100 000 euros, j'ai construit une maison, et je revends terrain et maison pour 500 000 euros. Mais les 500 000 euros, ils sont justifiés. Oui. Parce que j'ai construit une maison, donc vous devrez justifier au notaire avec les factures conservées, et il va en tenir compte pour le calcul de la plus-value. Donc si vous ne conservez pas les factures, vous allez vous pénaliser aussi en cas de revente. Donc on fait un classeur, et tout ce qui concerne la construction, on conserve. Petite astuce aussi. Quand vous commencez votre construction, on a le permis, on fait une déclaration d'ouverture de chantier. Je déclare en mairie que je commence mon chantier en vertu du permis que j'ai obtenu. Ma maison se construit et in fine, elle est construite. Il existe ce qu'on appelle une déclaration d'achèvement. Donc déclaration d'ouverture, déclaration d'achèvement, c'est le propriétaire qui déclare que son bien est achevé.
retenez que quand vous faites votre déclaration d'achèvement sur un terrain nu, donc pour une maison neuve, n'oubliez pas que dans les 90 jours, ça fait 3 mois, à compter de la déclaration d'achèvement, il faut aller voir les services fiscaux pour dire « j'ai acheté un terrain, j'ai construit ma maison à l'aide d'un permis de construire, je viens aujourd'hui vous voir pour être exonéré pendant 2 ans du paiement de la taxe foncière. » Ce n'est pas une faveur qui sera accordée, c'est un droit. Mais encore faut-il l'exercer dans les délais. Il faut faire la demande dans les 90 jours de la déclaration. Sur un imprimé administratif. Sur un imprimé administratif. On déclare ses nombres de pièces, etc. Si vous le faites au quatrième mois, c'est fini, c'est cuit pour vous. Vous serez soumis à l'impôt sur l'impôt foncier. Mais c'est quand même pas mal de pouvoir être exonéré après un effort de construction pendant 2 ans. Exonéré de la taxe foncière, c'est quand même bon à prendre. Il faut le savoir. Exactement. Donc, en résumé, vous construisez une maison, vous gardez tout, vous faites toutes ces formalités que le notaire vous rappelle d'ailleurs. Hein, dès la promesse de vente, il vous rappelle ces formalités. Elles sont mentionnées dans la promesse de vente. À l'acte de vente, le notaire vous rappelle à nouveau tous ces éléments. Et puis, le jour où vous vendrez votre maison et qu'en face de vous, vous aurez un acquéreur à qui vous pourrez remettre toutes ces pièces, ça sera un gage de sérieux, de sécurité pour l'acte, pour les parties. Donc c'est extrêmement important. Et les factures, tu as entièrement raison, parce que tu as bien développé la plus-value immobilière tout à l'heure. Si je ne suis pas en mesure d'apporter mes factures pour prouver mes travaux, ne vendez pas avant 30 ans. Hein, voilà. Parce que sinon, vous allez vous faire massacrer par les impôts. Mais d'ailleurs, je serais même tenté d'aller au-delà. Toutes ces précautions qu'on vous recommande, c'est un gage de paix sociale. Quand on revoit une maison avec le permis de construire, avec toutes les garanties qui ont été observées, eh bien, on évite aussi les procès. D'accord ? Donc, il n'y a pas d'étude qui est mesurée. Tout le bénéfice, c'est par le respect de toutes ces réglementations, toutes ces pièces qui vous sont demandées, qui sont fastidieuses, je n'en disconviens pas. Mais derrière tout ceci, il y a une paix sociale, et la paix n'a pas de prix. Donc, en faisant les choses correctement, en allant voir le notaire, en respectant toutes les réglementations, les permis de construire, en conservant tout, eh bien, vous serez bien protégé. Voilà, on vient effectivement de parler pendant 2 heures du logement. On a beaucoup parlé de sécurisation du logement. Oui, c'est notre mission, hein, d'aider donc nos clients. Voilà, je pense que quand on est propriétaire d'un bien immobilier, que ce soit en nom personnel, qu'on soit marié, pas marié, que ce soit par le biais d'une SCI, que l'on fasse construire ce logement ou pas, il y a énormément de précautions à prendre pour être sécurisé. Donc on va rappeler notre vice-présidente de la Chambre des notaires parmi nous pour pouvoir aborder peut-être une dernière question et puis conclure. Tu peux rester, Eric, peut-être pour la conclusion que l'on va faire ensemble. On a essayé de répondre donc à toutes vos questions, que ce soit là en direct devant les caméras ou encore directement sur le compte Facebook. Là, on a essayé de répondre un petit peu à toutes vos questions sur le logement. Mais ce qu'il faut rappeler, en fait, de cette intervention et de ces 4 jours de logement qui étaient vraiment une opération nationale, c'est qu'il faut anticiper, en fait. Il ne faut pas attendre que les choses arrivent. Vous avez eu vraiment différents exemples, différents cas concrets qu'on a tous les jours, en fait, dans nos offices. Anticipons, posez les questions en amont, allez voir votre notaire, n'hésitez pas. Voilà, donc aujourd'hui, il y a une petite question qu'on nous pose en fait sur le diagnostic de performance énergétique. Ben oui, chez nous, ben, il faut le faire. Quand vous avez un climatiseur, c'est important. Et donc les délais sont prorogés en fait par rapport à cette réglementation, puisque bon, on pense qu'il y aura peut-être des points de contrôle à revoir, parce que bon, c'est pas le chauffage comme la métropole. Donc n'hésitez pas à revoir votre notaire et anticiper. Voilà, et on vous rappelle effectivement que les notaires qui vous ont répondu, puisqu'on est la chambre des notaires de Guyane-Martinique, ce sont à la fois les notaires de Martinique et les notaires de Guyane qui étaient présents sur le compte Facebook pour vous répondre, dont notre présidente, maître Corinne Salibur, que l'on salue au passage. Et je vais laisser à la vice-présidente le mot de conclusion.
Donc, eh bien, merci donc, à tous ceux, les notaires qui sont intervenus pendant toute cette semaine, à ceux qui sont ici et ceux qui sont en Guyane pour répondre par écrit à vos questions. Et surtout, merci à vous d'être là et de poser les questions. Surtout, n'hésitez pas à pousser la porte de nos offices. D'autant plus, on peut rappeler que la plupart du temps, le conseil est gratuit chez le notaire. Exactement. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.